Alors, trois petits cochons, c'est un exemple de comment ça, préparation, une bonne préparation Ouais. pour les films. Depuis le début, le réalisateur savait dans quelle direction il veut aller avec la palette de couleurs. Puis ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette image. Et puis, il a envoyé pour le Art Department. Alors, tout le monde a travaillé avec cette palette de couleurs. Depuis le début, pour les costumes. Puis, cette image n'a rien à voir avec les films. Mais, comme juste pour donner une idée, cette couleur qui sont présentes dans cette image, il a essayé d'utiliser pour son film. Effectivement, on est assez loin d'une palette attendue dans le genre de la comédie. Enfin, Exactement. C'est ça qui on parlait déjà. C'est pas quelque chose que tu utilises pour une comédie. Alors ça, c'est une ici. On a fait un B, je pense que deux images. Oui. Oui. C'est ça. Voilà. D'accord. Des cyan, des skin tones, cette couleur-là. Puis, quand on a fait des caméras test, aussi, on a considéré cette palette de couleurs pour choisir l'objectif pour les costumes. Puis, après que le film était tourné, on a commencé notre correction couleur. Encore une fois, la référence était présente. D'accord. Voilà. C'est ici. Est-ce qu'il arrive quand on travaille en pré-production en fait que les images référentes changent ou évoluent en fait au cours du projet? Ça dépend. Ça dépend parfois. Très intéressant. Parce que parfois c'est les petits accidents qui donnent une direction. Parfois, tu commences avec une idée, tu prends ton référence avant des tournages. Puis, quand on arrive à faire des films, on décide que peut-être c'est pas vraiment la bon chemin. Bon, c'est pas une grande déviation, mais quand même, ça peut changer. Et là, pourquoi ça, c'est l'effet de montage, parce que les films n'est pas né avant le montage. Les films commencent à prendre une forme juste après. Alors tout que c'est dans le scénario. Puis d'habitude, j'aime beaucoup avant qu'on commence de parler, de discuter pour notre travail ensemble. Je demande pour les scénarios. J'ai lu le scénario, puis on parle. Si on a parfois c'est un luxe, on parle avec des références visuelles pour chaque scène. Et j'ai des exemples ici on a parlé de. Un bon exemple, c'est le premier film qui. Je l'ai fait ici au Montréal, c'était le film de George Clooney. Puis on a créé avec le directeur photo le color script. On l'appelle entre nous le color script. Puis j'avais le scénario et on a parlé par chaque plan. Ça, parce qu'on sait que le film est tourné pas dans un ordre chronologique, mais juste pour moi, pour savoir, ça doit matcher avec cette plan qu'on a déjà colorisé. Et puis à la fin de la production, ça fait déjà 12 ans qu'on fait ça ensemble. C'est une des premières DI. Après au Brother Overardo, qui était fait avec une palette de couleurs très, très définie. On a fait des transferts sur les Digital Dailies, on a fait sur D5, le tape, le dessin. Puis à la fin, quand le tournage était fini, l'assemblage, le montage était fait, le réalisateur avait déjà une master comme exemple. Alors, les corrections couleurs finales étaient faites
comme référence, utilisant les références qu'on a fait pendant les délices. Ça n'arrive pas souvent, mais ce sont beaucoup de raisons qui pour cette approche. Une, c'est vraiment très efficace en termes de pour vendre aussi, pour les producteurs qui sont habitués avec ceci, on look vraiment très très extrême. Puis une autre, c'est pour savoir si on peut aller assez loin de qu'est-ce qui a été tourné. En savant que on a beaucoup des outils pour faire les traitements en DI. Oui. Alors ici, c'est comme on voit déjà, c'était la palette, ça c'est le tournage. D'accord. Disons. Voilà. Puis un petit peu trop chaud. On a pris cette l'image qui est déjà François Poulet, on a donné comme référence, puis on a essayé de donner cette look. Parce que ça a été tourné sur avec quelle caméra? Alexa. D'accord. Et du coup, l'image de départ, elle est aussi chaude que ça? Ou est-ce qu'elle a déjà été un peu pré-étalonnée? Non, c'est ça qui ça. En effet, quand. Comment je peux expliquer ça? Le directeur photo sait déjà dans quelle direction nous allons. C'est. Qu'est-ce que c'est important? C'est l'éclairage, le mélange des couleurs, des tungsten light mélangé avec exterior light qui donne une certaine ambiance. Alors oui, c'est bien tourné. On a fait déjà les tests avant le tournage pour voir si on peut arriver à la direction artistique et le réalisateur a visionné. Donc là, plutôt refroidir l'image. Excuse-moi, je t'arrête. Oui. Est-ce qu'on peut arrêter la musique? Ah oui. Merci. Je ne peux pas parler si j'arrête la musique. Alors, à partir d'ici, on arrive dans cette côté-là. Je ne pense pas que tu... On m'a utilisé comme exemple. C'est si tu penses que c'est instructif, on fait des coupures, on va parler. Mais ça c'est juste pour toi, pour avoir une idée. Alors ça c'est la collection finale, ça c'est l'original. D'accord. J'ai montré. Voilà. C'est original, puis on arrive ici. D'accord. Tout matché. Donc là, tu as baissé en fait les couleurs. Oh, ce sont beaucoup de choses. On a ici, ah oui, j'ai parfois des 12, 13 layers. D'accord. Chaque layer a fait quelque chose. Une des satures de l'image, un petit peu, on ajoute des cyan. L'autre, c'est juste pour assombrir certaines parties de l'image aussi. Ah oui, là, il y a certaines parties de l'image qu'on a vu. Dans cette. Est-ce que j'ai un power window ici? Ah oui, ça c'est pour les yeux. Là c'est plutôt éclaircir. Pas pour éclaircir, pour plus sharp. Ça c'est avant, après l'action. Si je fais maintenant une. Voilà. Sharpening. Ah oui, d'accord. Voilà. D'accord. Oui, ça on fait en. La power window suit le mouvement des yeux, comme tu vois ici. Ah ouais. Ah ouais. Donc oui. Ça, on le fait souvent ou on le fait quand... Cette partie, c'est maintenant avec les outils sont très performants. Mm-hmm. Puis, c'est sort de tracking. C'était fait par le système très vite. Mm. Alors, on ne dépense pas trop de temps en faisant ce petit ajustement. Mais si c'est un shot de drone, on est parti d'ici et on est arrivé ici. Ah oui, d'accord.
justement des cases un petit peu plus extrêmes, plus subtiles. Alors ça, comme on dit, on a beaucoup de Power Windows. C'est une ici qui... Qu'est-ce qu'il fait? Je ne me souviens pas. Désaturer le bleu un petit peu. J'ai un autre Power Window ici pour la fin dans le centre. Voilà. Ah oui. Je vais éclairer cette partie. Ouais. Ça sert à quoi le bleu? J'assouplis cette partie ici. D'accord. Puis ici, avec cette layer, j'ai ajouté des cyan. Tu te souviens de cette partie de film? Oui. Voilà. Ça c'était avant, après. Puis l'idée de matcher ici. Voilà. Ah oui. On est Power Window ici pour assouplir cette réclame. Parfois sont des ajustements très subtils, parfois un petit peu plus extrêmes. Ça c'est intéressant. On a parlé des palettes de couleurs ici. Voilà. Ça c'était avant. Puis. On a décidé de changer la couleur parce que ça ne fait pas partie de notre palette de couleurs. Je l'ai fait moi-même à la début, mais je n'étais pas assez précis. On a décidé d'utiliser comme effet spécial. D'accord. Ça, c'était fait par la maison d'effets spéciaux. Voilà. Ah oui, bah oui. Oui, avec collection couleurs. Ouais. La même chose ici. Voilà. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose qui normalement, enfin, aurait pu être prévoir en fait. Ou ce sont des choses qui apparaissent soudainement à l'œil. Oui. Si c'était pas aussi tant pour préparation, ça arrive souvent. Ok. J'essaie de trouver un autre exemple. Ah, ok, ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, la même chose. C'est un plan de drone. On a assombri le ciel, réchauffé. Alors là, si on regarde l'écran sur. Ça, c'est l'écran sur lequel tu travailles principalement. C'est le. Oui. Alors, et puis cet écran-là, en fait. En effet, j'ai besoin de ça. L'écran où je fais l'ajustement. D'accord. Et donc toutes les petites lignes vertes là, ce sont en fait layers. D'accord. C'est toutes les étapes. C'est un petit peu comme Adobe Photoshop. Ouais. D'accord. Dans le même principe. Et là sur le côté, les courbes. Les courbes ici. Ouais. Et Instagram. C'est un effet. J'ai pas besoin de ça. J'ai mon waveform monitor ici, vectorscope and waveform monitor. D'accord. C'est très important pour mon travail. C'est ouais. Qui m'a dit si les couleurs sont dans le bon espace. Oui. Si je clique rien, je fais souvent les comparaisons avec un speedomètre de voiture. Tu peux faire la correction couleur 100 en théorie, mais ici tu vois si on a des problèmes de signal technique. Puis aussi, si tu fais des corrections couleur pour plusieurs heures de travail, ça aide beaucoup de donner de l'indication que tu es dans un bon chemin. D'accord. Oui.
c'est notre outil préféré de voir tout. Oui, oui, pour monitor le vectorscope. D'accord. Et quand tu dis plusieurs heures de travail, parce que ton œil se fatigue et que du coup... Ouais, oui, c'est aussi une question d'expérience. Après des années, tu t'es habitué. Pas pour te concentrer. Je fais souvent la comparaison avec un chauffeur qu'on conduit. Si tu te concentres seulement sur la ligne blanche, sur la rue, tu peux être rendu dans un accident. La même chose ici, ton concentration, tu l'utilises pour autre chose, pas pour certaines précisions. Il y a beaucoup d'étapes quand tu commences à faire une correction couleur. Une, c'est d'analyser l'image, de reconnaître à cause de quoi deux plans ne matchent pas, c'est où un problème. S'il n'y a pas de problème, comment on peut faire, comment on peut aller plus créatif pour donner un look de film. Tout ça, ça passe très très vite. Puis, tu as besoin des outils. Ça fait des sens? Je ne sais pas si... Pour moi, c'est très clair, mais quand je dois expliquer. Qu'est-ce que, quand tu dis qu'il ne faut pas que j'aille en fait, au-delà de tel signal, etc., en fait, c'est pourquoi, en fait, si toi, tu trouves que le bleu, en fait, il rend bien... Je te donne un exemple. Disons, on prend cette image, mm-hmm. et maintenant, on efface tout. Oui. On fait une correction couleur. Mm. Sans garder à l'image, c'est maintenant, disons, je ferme mon projecteur. Ouais. L'image est encore là. À partir de cette waveform vectorscope, ouais. Je peux lire les contours de l'image, qu'est-ce que ça fait. Maintenant, on peut réchauffer l'image, puis tu vois tout de suite. D'accord. Maintenant, l'image est chaude. Refroidir. Juste à partir de Waveform Monitor. Maintenant, je le mets au vert. Puis, je sais ça parce que le vert ici, sont de cette partie-là, il est présenté. Et maintenant, si on allume le projecteur. Ah oui. Alors. On ne peut pas faire des color corrections by numbers, blindfold, folded, mais on sait dans quelle direction si la peau est dans cette partie-là. D'accord. Entre rouge et jaune. D'accord. Puis... Ah oui, c'est aussi pour des questions comme ça, des questions en fait aussi du rendu de la peau comme étalon, oh, oui, savoir mais dans quel espace on se situe. Comme je dis, ça c'est pas quelque chose que tu fais à partir de Waveform Monitor ou Vectorscope, mais... disons, tu travailles sur un film qui doit sortir à TV, broadcast. D'accord. Tu dois t'assurer que tu n'as pas de problèmes techniques. On appelle ça clipping the shadows, the blacks, or overexposing the highlights. Puis, ton système t'indique tout de suite que tu avances dans une direction qui n'est pas... Compatible avec d'autres moyens de diffusion. C'est le broadcaster qui a le problème à venir de ton signal et pas en santé. Ça pose la question du coup effectivement de la configuration de ta projection à toi. Oui. Du coup parce que hein. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière? Oui. On va rallumer. Oui. Si on a fini. Par rapport à on jase ici, on peut en prendre. Qu'est-ce que tu penses que c'est bien? Ah oui, je pense que c'est bien, oui, mais après on peut... Mais je n'ai pas fini avec mon... T'as pas fini, okay. D'accord. On parle ensemble un petit peu, donne-moi 10 minutes, puis tu as une idée. Super. Okay. Ça marche? Ça marche. C'est intéressant pour toi? Oui. Ah oui, c'est super intéressant, je prends le truc et tout. Oui, oui, oui. Quand vous parlez, je ne vous vois pas, donc... Mais je ne suis pas bon pour expliquer comment... mais si tu poses des questions... Si, mais c'est très clair, hein. Si. Okay. Oui, alors donc du coup, la configuration de ton projecteur
par rapport et la qualité de l'écran, etc. Du coup, ça, c'est toi qui l'a calibré. Non, c'est pas moi, c'est notre ingénieur. D'accord. Oui, pas chaque jour, mais on peut dire très souvent, Ouais. une fois par semaine, il fait la calibration des projecteurs. D'accord. Pas nécessairement recalibrer, mais juste pour vérifier que tout est dans la bonne place. Ouais, parce C'est que c'est. important parce Ouais. que si le moniteur n'est pas bien calibré, toutes les décisions que tu prends pour faire l'ajustement des couleurs sont perdues. Ah oui. Et est-ce que. Parce que le fait qu'ils viennent vérifier souvent. Parce que ça bouge, c'est un peu comme un instrument de musique qu'on doit Mais c'est un petit réaccorder. peu à cause de C'est. la lampe, Ouais. qui est Ah une oui. lampe analogue. D'accord. Avec le temps, on perd Ben oui. la luminance, ça D'accord. justement, oui. Ah oui. Puis ici, voilà, tu montres maintenant la salle Ouais. originale. Ah oui. Oui. Effectivement. Puis on a rendu ici. Voilà, c'est avant. Et après. D'accord. Donc là, on voit bien effectivement que qu'on part d'une image plus chaude ou d'une image ici un peu plus verte. Une des choses que doit faire l'étalonneur, enfin ça dépend des projets j'imagine, mais c'est vraiment de travailler sur la question des raccords Oui, aussi. mais sont plusieurs niveaux qui font partie de ton travail. C'est une de t'assurer qu'il y a une continuité en termes de contraste, saturation, puis aussi donner ton la direction artistique, créative. À la début, on s'assure que tout est bien matché. Puis après, on fait le passe des dames pour donner le look. D'accord. Ah oui, c'est plutôt dans cette étape-là, Oui, dans cet ordre-là. D'accord. ça dépend. D'accord. Puis ce sont des choses qui doivent corriger à cause du temps qui est différent d'une journée à l'autre, à cause des problèmes techniques. Ça, on peut dire qu'on fait des corrections couleurs. Puis, dans l'autre partie, c'est la partie esthétique, créative. Ça vient avec le look, on appelle le look des films. On commence avec des références visuelles. C'est vraiment très difficile de t'exprimer en termes visuels. Qu'est-ce que tu as comme. Comment tu imagines une image? C'est pas une question de language, de langue. C'est une question plus de. On comprend différemment, on peut saturer à partir, c'est très relatif. Une image saturée, tu peux plus saturer, délaver. Mais combien délaver? Contraster. On peut montrer deux images qui sont contrastées, une plus détruite à cause des looks, une est plus doux, mais assez contrastée et solide. Voilà. Et donc là, pour ce film-là, La lettre au petit cochon 2, il y avait donc ces références visuelles que tu nous as montrées, Oui. qui donnaient plutôt des indications sur la palette de couleurs. Oui. Mais est-ce que du coup, il y avait aussi justement, est-ce que ça a servi aussi de base pour réfléchir justement aux questions du contraste, Ah de la part des oui. ombres, etc. C'était les Oui. mêmes références ou il y en a eu d'autres ou... Ça arrive pendant la correction couleur. C'est D'accord. juste une idée générale. La décision est déjà prise pour les costumes, pour l'endroit où était filmé, pour la location. Et puis le reste, ça vient avec. Comment on dit ça? It comes with the flow. Mais ça, je ne pense pas que j'aimerais avoir sur la tape parce que je te montre une discontinuité en l'image à cause des différentes températures des couleurs et aussi à cause des
différentes journées de tournage. Et ici, comme je dis, ça c'est pour ne pas. Attends. J'espère que je suis bien ici. Ah oui. Voilà. Si maintenant on garde, on laisse rouler d'une image à l'autre. Elles sont des fichiers lourds maintenant. Puis on tombe sur une scène extérieure, ça coupe pas bien. C'est trop bleu, c'est trop froid. Puis une des défis, c'est d'égaliser cette couleur. On tombe de froid à chaud. Puis on a réussi. Voilà, sur oui. Lui. Puis le résultat final était qu'on a. On a... Ouais. Maintenant, c'est, on a une continuité, une unité entre les images. Ouais. Et des images un tout petit peu moins chaudes à l'intérieur. Oui, on a désaturé le rouge. Voilà. D'accord. Puis peut-être un autre exemple, c'est ici. C'est ça l'original. Et puis on l'a mis vert, n'était pas dans cette palette, mais on l'a mis dans une place esthétique. Ah, c'est avant, après. Puis à la fin. Voilà. On a changé l'éclairage aussi. Oui. Intervention sur. Sur. Qui bouge, des masques qui bougent avec le visage. D'accord. Pour les mettre en valeur. Ah, l'original. Ah oui. On réchauffait. Ah oui. Ah ben on sent mieux la fin de journée. Hein. La fin de journée. Oui, c'est ça. Ouais. Ça change tout. Oui, ouais. Ça change la perception. Ouais. Ouais. Voilà. De communiquer entre une coloriste, ouais, et le directeur photo. Old fashion, mais j'aime encore parce qu'on n'a pas de misinterprétation. Qu'est-ce qu'on veut dire à cause des écrans. Alors, il a pris les photos sur le plateau, il a fait des changements. Des retouches de couleurs sur le Photoshop, ouais, fait le print pour les photos, envoyé à la coloriste. Puis on a fait des tests de avant des tournages. On a, ouais, parlé de combien, comment c'est quoi les color script pour cette film. À partir de ça, chaque soirée, on a reçu des images et à partir de ça, on a développé le look de film. D'accord. C'était vraiment très, très intéressant. Et, alors, donc là, pastel night, Kim Blacks Black, Keep Blacks Black, Light and Gamma. D'accord. Dissat. Alors du coup, qui est-ce qui t'envoyait en fait ces images-là? Donc c'était sur le tournage de Confession d'un homme dangereux. Et donc, oui, qui est-ce qui t'envoyait ces photos en fait retouchées? Dis-donc encore une fois, s'il te plaît. Alors qui t'envoie C'est le directeur photo. Ah, c'est le directeur. C'est photo. La communication directe. D'accord. Entre le directeur pour un travail. Bien, pour avoir le meilleur résultat, c'est tout le temps la connexion directe entre le directeur photo et le coloriste. D'accord. Donc là, du coup, effectivement, tout au long du tournage, et toi, tu recevais en fait les images tous les jours. Toujours, avec la caméra report. Voilà.
Je l'ai gardé parce que c'est un très bon exemple. Quand on a les pellicules utilisées, puis qu'est-ce qu'on doit transférer comme coloriste. Et puis, développe normal, ça c'était pour le laboratoire. Nico Pastel Look Full Magic Hour Fill. Ça c'était l'indication pour moi. Puis, ils viennent avec une photo. D'accord. Ou sinon, après qu'on sait déjà que cette scène, 58B, ça fait partie de cette scène. Puis, on a fait des ajustements en accordance avec ça. Oui. D'accord. Et donc là, pour ce film-là, il y avait un étalonnage déjà il y avait déjà un étalonnage numérique qui oui, c'est la, ben c'était le début des c'était le début des DI. 2002. Ouais. 2002, on parle des je pense que c'était la première était au Brother Verdo, puis Pleasantville. Un des premiers films qu'on a fait des full DI. Puis Confessions, aussi à cause que tout ce qui était demandé dans cette palette de couleurs était vraiment très intensif. Infrarouge, noir et blanc, infrarouge color, skip by bleach, cross process, tout de sorte de traitements et bien, établi. Pour chaque partie de film, on m'a dit à partir des scénarios. Voilà, ici. D'accord, bah oui, effectivement. Ouais. Skip bleach. Avec des indications. Donc, ça, c'est des indications que toi, tu as notées. Non, c'est lui qui a noté. C'est lui qui les a notées. Mm-hmm. D'accord. Qui est important. Puis, et il a toujours laissé une partie pour moi, comme coloriste, pour interpréter. Ouais. Et on a fait des expérimentations parce qu'on avait cette, comment on appelle ça, luxury, un luxe, on avait cette luxe d'essayer de différentes directions. D'accord, donc contraste fort, slightly amber flesh tones, this side blue, overall this side on background. D'accord. Oui. Et là, on t'a du coup, avec ces premiers essais d'étalonnage numérique, est-ce que le directeur photo qui débutait aussi avec ces outils-là, est-ce qu'il avait vraiment conscience de tout ce qu'on pouvait faire, des masques, oui, ouais. Parce que son background était des. Il a tourné beaucoup de commerciaux, de musiques, ouais. Vidéoclips. Ouais. Puis. La technologie était déjà là, comme utilisée pour les transferts, les télé-transferts. Mais t'es pas. Mais le début de DI qui utilisait les outils qui sont déjà très bien établis pour transferts, les télé-transferts, des vidéoclips commerciaux. Ouais. Alors, beaucoup de directeurs photos savaient déjà qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la fin, mais. La partie la plus difficile était color management pour s'assurer que qu'est-ce qu'on des collections couleurs qu'on a fait sur l'écran sont transportées sur la pellicule. Ah oui. Oui. Mmh. Puis ça c'était était un très très grand challenge. Puis les compagnies grandes comme Technicolor avec des color scientists, on a trouvé la bonne recette pour répliquer notre couleur. Oui, pour pouvoir passer ça, c'était effectivement, passé, effectivement de display, ouais. Electronic display sur la pellicule. Mm. Et pour s'assurer que ça traque, ça s'ouvre. Mm. Ça a été un petit peu le challenge entre, grosso modo, effectivement, 2002 et puis jusqu'en 2012 à peu près. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et puis oui. à partir de 2012 à peu près, on passe à une chaîne toute numérique. Donc de toute façon, oui. On pense que c'est plus simple, mais c'est pas ça. On a des autres challenges qui. Oui, bah oui, tu as raison. Mm. Alors, du coup, on va peut-être revenir en fait avant de revenir en fait à ces projets de films, peut-être revenir en fait à ta formation. Mm-hmm.
Donc toi, tu as fait une école d'ingénierie optique, c'est ça? Oui, j'ai étudié ingénierie mécanique, Mécanique. mécanique de précision, avec spécialisation en optique, en Bucarest. D'accord. Puis, après mes études, après la chute des communistes, j'ai émigré en Allemagne. Puis j'ai travaillé comme ingénieur pour 2 années. Par hasard, un petit peu. J'avais un ami qui travaillait dans cette industrie de post-production. J'ai utilisé cette opportunité pour faire quelque chose qui m'attirait très beaucoup. Ah oui, donc ça t'a Alors attiré. j'ai laissé mon métier comme ingénieur, puis décidé d'aller dans une direction totalement différente. Quel était ton rapport au cinéma ou à la photo d'ailleurs quand tu étais jeune? Est-ce que le cinéma, enfin, voilà, est-ce que tu étais un cinéphile? Est-ce que Oui, je pense que c'est parce que ouais. j'étudiais pas l'art ou le cinéma, mais pendant ces 5 ans d'université, j'écoutais chaque semaine à la Cinémathèque roumaine des films. Et chaque semaine, on avait des réalisateurs différents de différents pays. C'était la semaine de Fellini, c'était la semaine de Buñuel, puis les films qui, pendant le temps des communistes, sont permis. Et tout le temps, très très souvent, c'est ça que j'ai fait mon éducation cinéphile. Et tu pratiquais un peu de la photo aussi pour toi La ou... photo, pas vraiment. C'était une mini-série qui a été tournée dans ma ville natale. Puis, quand j'étais jeune, j'ai suivi, j'étais un petit peu fasciné de qu'est-ce que le directeur photo a fait. D'accord. Puis plus tard, en Munich, quand j'ai déménagé en Munich, je me trouvais sur le plateau de Bavaria Film en Munich. Puis j'ai rencontré le directeur photo, j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce métier. Puis je n'aimais pas les réponses, mais il m'a dit que je suis un petit peu trop vieux pour ça. C'était quand? C'était en C'était quelle année? 1995, je D'accord. pense. Vous avez plus d'une trentaine d'années? Oui, Ou une trentaine d'années? 30, 30, 30, 30 ans. 30, 30, 30. Mais tu as l'opportunité de travailler avec le directeur photo si tu es un étalonneur ou coloriste. Puis à ce moment-là, je savais que okay, ça c'est quelque chose d'intéressant que je dois chercher. Puis une amie, il travaillait déjà pour cette compagnie de post-production, la plus grande en Allemagne, Kirch Group, qui maintenant la compagnie n'existe pas. Puis j'ai envoyé mon CV et j'ai commencé comme tape operator. Puis après 6 mois, j'avais la chance d'assister les coloristes seniors dans la compagnie. Alors, c'était quelle société? Comment elle s'appelait Ça cette? s'appelle Kirch Group, Oui. une très grande compagnie de post-production aussi. La division était seulement pour s'assurer que la qualité des films qui ont fait le processus de correction couleur et pour les standards allemands. D'accord. Alors là, du coup, est-ce qu'il y a un ou des coloristes en fait qui ont jouer un rôle dans la transmission du métier? Ah oui, Oui. c'est sûr, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? L'influence, Oui, comment gérer. savoir qui t'a formé en fait dans cette société. C'était une formation sur place. J'avais des collègues qui viennent avec de toutes sortes de backgrounds différents. Alors, mais on avait des coloristes plus seniors. J'ai la misère à parler Tu peux parfois. parler en anglais, hein. C'est correct? Oui.
Oui. Ah oui. Pas en allemand. Et par ça, mais je mets. Si tu te sens plus à l'aise, tu es en anglais. Moi, je suis un peu fatiguée, donc je poserai peut-être mes questions en français. Ah ok, mais non, c'est correct, c'est pas grave. C'est pareil. It was very well defined. It was already a very well established school inside the inside the company. So the most senior colorists were in charge of training the new ones, and so I one of the first days when I decided to become a colorist, I asked who is the most senior and the best one in this company. I was told at that time was Miguel. What's his name? He was coming from Spain, and I went and introduced myself. I said, "This is where I am. It is my name, and I would like to be taught by you, if you agree, to shadow you." And I think he liked my direct approach. He agreed, and then I spent about 3 or 4 months just next to him. I asked a lot of questions. He was very patient with me. And then I get my first job to start. Compared with North America, in Germany, there were not assistant colorists, so to say, not in this company. Maybe at Bavaria Studio, but in this case, they were just colorists. And then you have the telecine colorists, which were allowed to touch the film. It was something very, very hierarchic. And also a lot of magic was around, because we were looking at those senior colorists, the telecine colorists, who were touching the negative and transferring. Were fascinating. And we started as a tape colorist, tape to tape. So we were not able to do too much damage at the time of the precious thing. I got my first job, got tape to tape. And I took my time to deliver, and I made my point that I really want to succeed, and the movie will be done when I say that it's gonna be done. And that's the only condition I will accept to work as a colorist. So it was given me the time to finish my project, and then I become a finishing colorist. So I didn't go to the transition here in North America. I find out that you start as an assistant colorist, and then after a couple of years, you get the ranks. In my case, I just started as a finishing colorist, and I was very lucky because I was working with already graded masters from different countries. Most of them, they were American movies. And I was able to appreciate, to see what means a good transfer, a good, good color correction. So probably that helps me also. On one side, I had a very strong technical background, which I received from my colleagues or my trainers on the spot. And on the same time, I was very spoiled to work with high quality images. And I'm a bit of autodidact. I try to figure out why I like this kind of grading and what I don't like about the other one. There were no clients involved, though. I will receive the master, do the color correction, and finish. From this master, the broadcast tape were done, digital Betacam at the time, and sent to different broadcasters. Okay. And we were colorists and quality controllers. And the advantage of this was that the quality controller has to have a certain understanding about what means artistical decision. Let's say to give a certain look to an image, sometimes you have to really go very contrasty, desaturated, and get rid of the highlights. If you don't know that, if you are not able to recognize, you may reject this image under the note that shadows are clicks and highlights are blown out. But if you are a colorist, you were able to understand without being told to distinguish which one is a technical issue and which one is a creative one. Because there were many cases where
quality controllers were rejecting material without knowing that actually, without recognizing that was a look and not a technical problem. That was very interesting to. Donc ça c'était le fait de combiner en fait ces deux postes là. Ça c'était en Allemagne. C'était en Allemagne, oui. Et du coup tu étais formé donc t'es arrivé dans cette boîte dans cette entreprise en fait en 95. Mm-hmm. T'as été formé pendant quelques mois, t'as eu ton premier travail, donc là on était en 96. Oui, ça, oui, voilà. Et j'ai talonné, j'ai fait des finitions, tape to tape finitions. Et donc du coup c'était plutôt des longs métrages américains longs métrages américains puis des mini-séries, des séries aussi. D'accord. Okay. Mais j'ai pas touché les films encore. D'accord. Je connais pas les mais je savais. Mais je n'avais pas d'expérience dans telle photochimique. D'accord. Alors mon approche était vidéo, j'ai commencé avec vidéo. D'accord. Et quelqu'un du laboratoire avait pour rôle essentiellement de faire le transfert de. Oui, s'assurer que. Oui, we had a telecine colorist, mm-hmm. And we had a tape-to-tape colorist. D'accord. A big factory, about 16 color correction systems. At that time was Da Vinci, extremely big for that time. Even nowadays, it was one of the biggest post-production house in Germany. So yeah. Et donc du coup, sur quel matériel, parce que tu viens de ça, que tu viens d'évoquer, le Da Vinci, c'est ça? Da Vinci, oui. C'est ça sur lequel tu as été formé? Oui, exactement. Donc, d'accord. Et là, alors du coup, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est Base Light, ouais. Et une compagnie qui vient de Angleterre, de Londres. Puis la compagnie s'appelle Film Light. Mm. Film Light, elle fait des scanners, aussi des color management. Puis correction couleur, j'utilise Base Light. Et quand est-ce que tu es passé Da Vinci au Base Light? Entre Da Vinci et Base Light, j'avais un training sur Luster. D'accord. C'est Autodesk Luster. Ouais. C'est mon premier DI était fait sur le Luster. D'accord. Et la transition était faite ici au Montréal. Donc du coup, en fait, ton expérience par rapport aux photochimiques, mm-hmm. C'est quand tu es devenu... Quand j'ai déménagé en Montréal, en effet. D'accord. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, en fait, les étapes? Ah oui. So, I worked 4 years in Germany, and then I moved to Canada in 99. So, after 4 years of working as a colorist, I worked for a company which I already knew because of the they were our clients in Germany. No, the other way around, sorry. In Germany we were their clients. So it was quite easy for me to find a job because I was one of the quality controllers, the colorists who they were dealing it in Germany. So I accept a position with this company. I work with them for 2 years. Quality controller and restoration artist and color correction. So I use my QC skills which I acquired in Germany, and then the color correction part to restore masters different content. D'accord. And du coup de la restauration de films argentiques. No restoration non. Taped again toujours tape. D'accord. And I work with that was the second system I learned, digital vision at that time. D'accord. And that system I learned it at this company in Toronto, International Image. Mm-hmm. Right now it's part of Deluxe company. And after 2 years, I decided to quit. I get I feel that I'm restricted. It was a point after 6 years. In my life as a colorist, where I was not happy all of a sudden anymore. I was just doing restorations, color correction, de-dusting, noise reduction, everything what incorporated. There were no direct client relation. At the end of the job, the client will accept, but. I decided to quit and I was looking for something else.
So I resigned, and I was told that really it's a big mistake what I'm doing. And I went back in Germany. I met my previous boss, and I shared him my feelings. I think I will try to become an editor, but it's, the color correction is not what I expected to be. And I have to thank him, even now he put me back and said, right now, after 6 years, you've started to become good in what you're doing, and now you want to drop the ball. So you go back and you start learning new tools, new systems, and you're probably going to have a chance. And I, through his help, I went in Paris and I learned the DaVinci 2K. At that time, it was a brand new machine, a very powerful color correction system. And I was lucky to meet one of the best trainer in the industry, Kevin Shaw, who was at the time the director of training at DaVinci. So I spent 5 days in Paris. I learned the system. I came back to my old company in Germany and I said, well, now I know this system and I would like to work here for as a contract basis, so as a freelancer. They already knew that what I'm able to do. So they give me some, I was given some films to transfer. And this time I was able to touch the telecine and the film. So slowly I started to get again a second wind and to get excited about this. And in the meantime, I sent my CV to back in Canada. And one a colleague of mine, she who moved in Montreal, sent my CV to the actual company. L'actuelle compagnie, mais en fait, c'était Covitech à l'époque. C'était Covitech à l'époque, oui. Ouais, ouais. Et maintenant, Covitech est rendu Technicolor. Mm. So, I came back after 6 months as a freelancer. Come back to Toronto. And I received a phone call after 2 days, I think. It was a lot of chances, a lot of stars who aligned on the right point in a period where I was... I decided to drop everything as a colorist. And so I received this phone call and I was asked if I'm interested in working night for an American production. In 2 days, I have to start. So I just came back from Germany. I jumped in the train. I arrived in Montreal. It was at a Saturday, I think. And I had to transfer dailies for an American production, but very heavy in looks and with a very creative approach. I didn't know too much about the work of a dailies colorist. Key code, transfer of dailies, with camera reports. I was really not, I didn't know about this, so to say. My only background was finishing color correction, tape to tape most of them. So I buy the bullet and I say, yes, I will jump. I was given an assistant and Monday, just 2 days after I arrived here, first thing in the morning, my first clients were George Clooney and his DOP, Tom Siegel. Mm. Now in retrospect, probably you will be very impressed to meet those people, but I was so probably not knowing what's going on with me. I have no problem. I was lucky because I was able to deliver what I was asked to do. So in the first meeting was very warm and a very pleasant encounter. And in back in retrospect again, I was asked by the director of photography if I know by any chance a certain photographer, because he would like to give me some directions how he would like the movie to look like. And it just happened that while in Paris for training for DaVinci 2K Plus, I bought a book of this photograph named Joe Sadek. So 2 months before I bought this book, I was attracted by the cover. And I remember very well, it was a small bookstore on the Champs-Élysées. 5 francs. I still remember exactly. I went, I bought that book and I admired his work. And then 2 months later, I'm being asked about this photograph. If I know it, look, say, you must be East European. You probably know this
Czech photographer. I said, I know him very well. Can you give me that look? And that was our starting point of discussion in terms of pastel look. For a good part of the movie, we kind of make the reference pastel look, using the reference the photos of Joe Sodek. Mm. So a lot of coincidences also. Then I realized that, okay, I need to know a lot of, there's the best way to communicate. It's only with references. So I started to do a lot of researches to learn about different cinematographers and photographers. That's the only way where I really become aware of the power of communication through references. Et aujourd'hui encore, tu continues? Je fais toujours. D'accord. Toujours. J'arrêtais jamais depuis 15 ans. Donc tu vas dans les musées et quand tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Oui, mais en effet, ça c'est un process qui te fait sans savoir. Mm. Juste, c'est quelque chose qui se passe dans ton subconscient. Tu n'as pas besoin nécessairement de garder une photo pour dire « Ok, ça je vais utiliser pour la semaine prochaine. » Juste, c'est la façon que tu observes les choses. C'est ça qui est le training, d'avoir une sensibilité, une spirit d'analyse. Pourquoi j'aime quelque chose? Qu'est-ce que ça me dérange? Ça m'a aidé très, très souvent pendant mon travail. Une façon d'analyser comme environnement. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi? Alors, j'ai un livre ici que je devais parler. Ça s'appelle Rudolf Arnheim. Vous connaissez ce livre? Oui, oui, oui. Oui, Art and Visual Perception. Puis, j'étais curieux pourquoi certaines choses donnent une autre réaction. Puis, ça ne veut dire pas que j'ai utilisé ce livre, mais c'est mon... je ne peux pas être créatif chaque journée. Mais ce sont des petites choses qui mettent des faits de certains liens, d'analyser à cause des choses que j'ai lues dans un livre comme ça, par exemple. Puis... Parmi les coloristes que j'ai pu rencontrer, en fait, chacun un petit peu à sa manière de fonctionner en dehors des projets. Certains font, entre guillemets, font des recherches ou des découvertes de projet en projet, enchaînant chaque projet. D'autres veulent se réserver du temps où ils prennent des anciennes images ou des images qu'ils ont prises eux-mêmes en photo, etc. Et ils travaillent dessus, en fait, pour essayer de trouver des looks, etc. Est-ce que toi, tu fais ce genre d'exercice? Est-ce que c'est plutôt justement en te nourrissant, en fait, de musées, de livres de photos, etc. Oui, ça, c'est sûr, ça c'est sûr. Mais est-ce que des fois, tu te mets à chercher un petit peu pour toi-même, en dehors des projets? C'est comme, on est resté en shape, tu dois faire ça. D'accord. Et tu le fais tout le temps. J'aime beaucoup voyager. Chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville, un nouvel pays, je cherche des livres comme inspiration, des photographies, films. J'ai une grande collection de films aussi. Ouais. Mon premier instinct, j'ai la misère de garder les films et savourer. À cause que je garde, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est fait, comment ça a rendu là. Puis la deuxième fois, je suis capable de savourer les films. D'accord. Mais je voulais dire quelque chose. Alors, avant une session, juste pour le décrire, c'est quelque chose de très intéressant que je me posais la question. C'est avec cette interview la même chose. Je m'imagine comment ça peut marcher, puis tu essaies de faire des recherches, mais c'est jamais rendu assez comme était planifié. Je me prie beaucoup souvent. Je sais que le projet commence dans une semaine. On fait des recherches. J'ai déjà mon... je m'imagine déjà comment on peut faire ce traitement. Juste pour dire que plusieurs fois, ça n'a rien à voir que j'ai fait comme imaginé. À cause que c'est la synergie entre le créatif et moi.
le directeur photo, réalisateur, qui déjà travaille pour ce projet depuis longtemps. Puis, mon interprétation qui est souvent pas la même. On trouve des solutions, on trouve les façons qui ont fait le traitement des couleurs ensemble. Et c'est ça la beauté, c'est ça que j'aime. C'est la synergie qui. Mais ils m'ont donné des directions, puis on réussit à faire. En effet, j'aime pas quand quelqu'un dit que cette film a cette look-là. Tu ne peux pas appliquer une look d'un film à l'autre. Tu le peux utiliser comme référence. Parce que sinon, c'est très, trop large ton espace que tu peux aller, dans la direction que tu peux aller. Tu donnes une direction comme un exemple. Mais après ça, c'est le film qui dicte après le montage comme une sorte. Et dans ces questions justement de communication, de référence, est-ce que ça t'arrive quand les gens arrivent sans images et seulement avec des mots, est-ce que toi ça t'arrive de demander des images pour essayer de clarifier ou des références pour avancer? Oui. Ouais. Oui. Oui. Parce que parfois, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Mais ça ne va dire rien. C'est pas mal. Il ne sait pas. Moi, je sais de plus en plus moins. C'est. Savoir pas, c'est pas mauvais, on va trouver. Mais ils sont des choses qu'il sait. Il sait qu'il ne veut pas aller dans cette direction. Ça, c'est déjà une bonne indication, un bon départ. I know exactly, I don't want to go into direction. I know it's a comedy. I don't want to look saturated or the association. This is not what I would like to do. From the beginning, you know already, you don't go there. Because this is not what it was. And then you end up in another direction. Obviously, for we discussed about Tropic Ocean, it was very clear from the beginning how the director wants his comedy to look like. And I think we managed to deliver a good job. Sometimes the movie is being shot, the script is there, the movie is the casting is done, camera test to make sure they change the right lenses. Sometimes just go and shoot. The movie is assembled, and then you need to do the color correction. Then you become creative. You try to find out, okay, there is something by accident. This treatment works very well from this sort, or a flashback. Well, you cannot go in the cliche all the time. And you need to find something which works with the story. But you need the references to make a link. And also, it's very interesting how our memory associate certain images. You say, I would like the look of the 70s. Well, what means is the look of the 70s? Well, the color that, in that period. You mean the bed transfer of the telecine which was done in that time? You mean that faded color or that the color palette which was used in these years? All those little details. Then you realize, then you have to look for images. You start to find examples. And then you know, no, this is not what I have in mind, but this is more the direction. And then you try to, then I will start to tweak the colors to say, well, are we close to this? And then sometimes it works, sometimes not, and you have to start from the beginning. But the process of the research process is the most important. Et justement, parce que là, du coup, on a vu quelques images de références visuelles pour The Fontaine. Pour ce film-là, et comme d'autres d'ailleurs, on a quand même des séquences qui sont parfois très très différentes dans les traitements. On est vraiment dans quelque chose de très désaturé, presque noir et blanc, etc., très lumineux. Et puis évidemment, il y a les parties avec ces couleurs un peu dorées, etc. Quand on reçoit plein d'images, en fait, et qu'on a l'impression que ces images, elles sont contradictoires ou qu'elles sont... Mais oui. Comment on fait, en fait? Est-ce qu'on prend le scénario? C'est ça l'excitant. Oui. C'est ça quand tu deviens un coloriste qui c'est ça que j'aime le plus.
comme l'interprétation d'une image. Mm. Et l'interprétation, tu peux you should be able to read between the lines without specific, you know, some certain things which are already locked. The contrast of the image is already locked in the way it has been lit. But then the rest, then it's you who actually to try to figure out what is exactly from this image. Does the director or the director of photography likes it because of the contrast, because of the texture, because of the, I don't know, the faded look, so many ingredients. And then you try to figure out, okay. Then you extract from each image as a trademark. From this image, I would like to take the, for example, the greatest game ever played. I work on this project. As a daily scholar is to give the look of the film, the transfer. And then we have Kodachrome's, the DOP. He bought two books, and each page was get a certain symbol indication, which he was using in his camera report. And we were trying to replicate that Kodachrome look, but there were images which actually have nothing to do with what has been shot. And then one image was the green of the grass, from another one was the color of the sky, from another one was the contrast. And all those mix give you a certain result of what has interpreted it through mm-hmm. his shooting. Justement, pour ce film-là, parce que du coup, moi j'ai les titres en français, c'est le film sur le sport, c'est ça, sur le... Oui, sur the golf. Ah oui, c'est sur le golf. C'est le golf, oui. Parce que je m'étais demandé, justement, parce qu'on parle de Kodachrome, si ça avait été une référence pour le film... Alors, évidemment, si on en parle maintenant, du coup, comme ça, on peut... comment ça s'appelle, ce film, justement, sur le hockey, hockey sur glace comment ça s'appelle Qui je travaille dedans mm. Justement, je me demandais si le film de Grou, Un jeu si simple, avait été une référence. Non, ça te dit rien. Ben évidemment, alors maintenant, c'est un peu tout mélangé. Mais non, mais c'était pas ce film-là. C'était pas le film sur le golf. On était sans point de cuisson. C'est le film de baseball. Oui. Ah bah. Ça, c'est le film de Félix Leclerc. Alors, attends. C'est Expo, la période d'Expo Montréal. Si, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et je me suis demandé si, effectivement, la pellicule Kodachrome, en fait, avait été aussi un point d'ancrage aussi pour le look de ce film-là. Que c'était le film dont tu parlais, mais c'est pas grave, ça me reviendra quand je regarderai. T'as fait beaucoup de recherches. Ben oui, oui, God. Et puis la filmographie est longue, et je suis sûre qu'en plus la filmographie sur IMDb est encore incomplète par rapport à la réelle filmographie. Yeah. Donc oui, ben, c'est une filmographie d'un coloriste, c'est long. D'ailleurs, question sur combien de temps on passe sur un film et combien de films on fait par an quand mm-hmm. on est coloriste. Oh. Chez Technicolor en 2016. Ah, 2016, oui, ça. Autre question. Combien de temps? On parle ici de DI, c'est ça? Mm. Oui. But, I would say the average is about 80 hours. It also depends how... First question I ask, okay, how many cuts? How is it being edited? One, this is the thing to know. Then... I would say 1,000 cuts, it's an average movie. Then everything goes up or down. There are different situations. But yes, between 60 and 80 hours is a good amount of time to spend in DI. Saying that will turn out in about 2-3 weeks. And if you are lucky to have every month a movie, then you can do maximum 12. But you have to, no, we have some vacation too. So maximum 10 movies. You know. It's also because after you finish
the color correction for the DI, for the theatrical release, I have to be involved. And I made a habit. I was very consistent in creating the video master as well for the film I'm working for, the theater. So there needs to be a certain unity between what you color correct, what we did with the creatives together for the big screen. It has to resemble very well for the Blu-ray, because that's also what it's your reference for the future. People will not get a chance to see it on the theater, and the if the Blu-ray is not accurate, then you miss a big point there. All your work is represented by a Blu-ray. So yes, after you finish the DI master, the DI grading, then you do the video master. If it's a 3D movie, then it gets even more complicated. Then you do the 2D grade, then create the 3D grade for theaters, then the same thing for video. D'accord. Donc à chaque fois, on fait 2D, 3D. 2D, 3D, oui. Et alors, qu'est-ce qui change quand on fait l'étalonnage 3D? T'es plus fatigué. T'es d'à porter les lunettes toute la journée. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile. C'est ça que moi je préfère, de commencer avec la version 2D, ouais, et puis faire la version 3D, parce que les décisions en termes de couleurs sont déjà faites. Puis on fait des ajustements pour compenser la différence entre la luminance, entre l'écran 2D versus l'écran 3D, le silver screen. Ouais, ouais. Ça, c'est le meilleur workflow. Ouais. La correction pour 2D, on applique la même couleur pour le 3D. D'accord. Dans cette façon, tu réduis le temps des 3D, des faits de grading avec les lunettes. Ah oui, puis je me demandais, parce que ça rejoint un petit peu cette question-là, mais par rapport en fait au film d'animation justement sur lequel tu as travaillé, mm-hmm. Est-ce que pour toi c'est vraiment, en fait, tu l'envisages vraiment exactement de la même façon qu'un film Non, c'est... Qu'est-ce qui change en fait Beaucoup. C'est une autre façon de travailler, en effet. Je ne sais pas comment je peux décrire ça. Animation, correction de couleurs pour animation. Sometimes the misconception is because it's being created on the computer, it should be very easy to do a color correction for animation. It's not the case. Why? Because sometimes 100 artists are working on the same movie. 100 different monitors, even in the best situation, they are still not calibrated the same. So you have to deal with different color components which are not constant. That is one of the challenges. It's also the way you shift the colors in each image. It's quite different than what you're doing in real life. You don't have references also. When you start to grade a film, you have some references for the skin tone. It's actually your color is best friend. It's the blacks, which you can take references like the tires of the car. There is no doubt the tires are black. Mm. Then you know that the sky, but that also you have some variable there. Blue or the water change the color, depends on how the light is hitting the water and reflected. But the skin tone, we have a very low tolerance in accepting a skin tone who is, let's say, too magenta, too reddish. As long as it's not justified by the lighting. If there is a scene where a certain lighting and you see that the lighting is kind of greenish, and the skin tone get that greenish, you accept it. But as soon as it's a little bit different, the situation, we don't accept a green skin tone or a blue. We have a very good visual memory in regard of the skin tones. So animation, you lose all those references. And then you end up with certain directions. You know, the movie needs to look in a certain way, but it's a different approach. There are colorists who are actually specialized for, I would say, animation, who can do a very good job. I didn't do too many animations. I didn't work on too many animations in my years as a colorist.
So, what is different? I don't know, to say it to this. It's a different approach, though. Est-ce que, par exemple, si on prend le cas du magasin des suicides qu'on a évoqué tout à l'heure, oui. Est-ce que, parce qu'il y a là aussi, il y a des moments, alors, il y a le magasin qui est très multicolore, mm-hmm. il y a des parties qui sont beaucoup plus désaturées, etc. Mm-hmm. Et tout ça, c'était des choix qui étaient déjà très forts et très présents dans les dessins. Oui, ouais. Mais dans cette case-là, pour le magasin des suicides, les collections couleurs 2D étaient déjà faites sur la place au Paris. Ouais. Puis, j'ai commencé à faire mon travail pour les 3D, pour faire la collection pour 3D. Ah oui. Puis, avec mon collègue qui était notre spécialiste 3D, de jouer avec la stéréoscopie. D'accord. Alors, ça, c'était une mélange des parties techniques et artistiques pour réajouter. Oui. Oui, cet magazine de suicide, c'est pas nécessairement un exemple, c'est plus comme de la peinture. C'est très stylisé. Mm-hmm. On associe, je pense, que plus souvent une animation avec les enfants, avec les couleurs fortes, mm-hmm. les couleurs saturées. Oui. Mais le magazine de suicide est vraiment est très esthétique. Oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, il y avait des vrais choix. Et je reviens à la question des références là, que tu as du coup pour commencer à travailler. J'ai deux questions. Ma première question, c'est est-ce que, parce que là on voit, on a des projets en fait sur lesquels tu sembles-t-il, enfin il semble que tu étais impliqué en fait dès la pré-production. Oui. Est-ce que c'est systématique depuis que tu fais, donc du coup depuis que tu es étalonneur en fait numérique? Est-ce que tu es systématiquement là au niveau de la pré-production? Malheureusement, non. D'accord. Et est-ce que tu as l'impression qu'entre, je ne sais pas, 2000 et aujourd'hui, ou 2002 et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'on va de plus en plus vers une implication du coloriste dans la pré-production ou pas? Ou est-ce que c'est toujours au cas par cas? Je peux parler seulement de mon expérience. Oui. Malheureusement, non, dans mon situation. J'aimerais beaucoup de m'impliquer plus. Parce que c'était la partie... pour moi, un des plus excitants comme coloriste, de participer depuis le début à la fin. À la fin aussi, parce que je ne fais pas, pour cette film qu'on a déjà parlé, les finitions des couleurs finales. Mais quand même, je pense que j'avais quelque chose à dire dans cette palette des couleurs avec l'indication que j'ai reçue. C'est à cause que comment c'est... Ils sont des films qui sont vraiment nécessaires et c'est aussi une question de luxe. C'est une question qui c'est très coûteux peut-être utiliser la même coloriste qu'un coloriste qui fait finition pour l'impliquer dans le daily process. Puis tu es sur un autre projet, parfois tu dois trouver du temps pour t'impliquer. Mais le cas idéal, c'est comme tu établis les contacts avec le directeur photo, le réalisateur. On commence à faire des recherches en termes visuels. Comment on voit l'étalonnage de ce film, dans quelle direction. Puis cette partie, j'aime beaucoup des recherches. Le tournage commence. Peut établir des looks. Aujourd'hui, on parle des look-up tables. Avant, on fait des corrections couleur plan par plan quand on fait des transferts de films. Maintenant, on trouve la recette, puis on transmet la recette avec des look-up tables sur les dailies. Puis le film est fini, tout est assemblé. On a le montage final, on commence la correction couleur, on regarde le film ensemble pour la première fois. C'est exactement ça qu'on a imaginé sur le scénario, parfois un petit peu différent. Puis on commence la première passe, on fait la correction couleur. On a des temps, idéalement, de faire des essais. Et pas, on ne peut pas prendre des décisions très très vite pour aller une direction qui était vraiment plus tard difficile à changer. Puis, première passe.
parle les contrastes de films qui doit être qui donne déjà une, si on a empreinte très forte, puis saturation, look, son et son. Et c'est aussi pour avoir des résultats, de très bons résultats, tu dois avoir la expérience de juger ton temps. C'est ton responsabilité comme coloriste, comme tu gères ton temps, si tu peux finir ton film dans le temps que tu as déjà fait. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est facile de gérer parfois. Ouais. Tu dois conduire tes clients avec ton conseil, sans avoir l'impression que tu rushes. Et ça, ce n'est pas facile parfois. Mais c'est la façon de, c'est la confiance qui est vraiment importante dans ton métier. Bon, je parle de moi. Ouais. On a une relation de complicité, une relation de confiance, puis aussi de quelque chose comme de chemistry qu'on comprend. Parfois on n'a pas besoin de mots. Après quelques projets, tout le monde te veut dire la même chose comme coloriste. C'est comme un vieux couple. On sait déjà dans quelle direction je peux aller, qu'est-ce que son petite qu'est-ce que c'est vraiment très très important. Et tu as aussi que c'est comme une responsabilité comme coloriste pour défendre le travail des directeurs photo. Juste parce que maintenant on a beaucoup de possibilités, les outils sont très très forts. Parfois, idéalement, il est le directeur photo parce que c'est lui qui est le plus proche des coloristes. Et sur un autre tournage, s'il part, on discute le look des films, il doit avoir confiance que tu vas garder ça. Et des ajustements qu'ils sont faits après respectent encore son vision depuis le début. Et ça, c'est une combinaison qui est très importante. Oui, alors, on traîne plein de questions, mais quand par exemple, tu as réussi, enfin, on a d'un commun accord, il y a une lutte qui a été mise en place, qui est donc mise sur les dailies. Est-ce que toi, quand tu arrives dans la dernière étape, tu repars de l'image native, ou tu laisses la lutte en place et tu travailles? Ah non, je commence depuis le début. D'accord. Oui. C'est ça aussi une question, les looks que tu crées comme référence visuelle pour les dailies, pour donner une idée à tout le monde qui est impliqué pour cette film. C'est quelque chose qui est vraiment très, très important. On fait les statements, la direction de cette film, ça va pour la finition, c'est ça qu'on imagine. Mais jamais tu, on appelle ça baking the lot in the images. Tu jamais fais ça. Tu peux pas t'éloquer avec une décision qui est prise comme guidance, comme guidance pour te rendre dans un coin que tu peux pas sortir en plus. Alors cette lutte c'est utilisé seulement pour visualiser. Puis aussi c'est quelque chose qui t'aide comme Si ton directeur photo n'est pas présent, au moins tu as une direction comment il voit son étalonnage. Du coup, ça t'est arrivé, toi, d'arriver sur un film, de prendre l'étalonnage final sans avoir participé à l'élaboration de la lutte de départ? Ah oui. D'accord. Oui, ça arrive souvent. D'accord. C'est vraiment très... oui, ça arrive souvent. Tu commences à travailler sur un projet que tu ne savais rien. Tout est déjà tourné. Tourné dans un autre pays. Tu as une quick time reference. Puis ça, tu viens avec ton interprétation. Qu'est-ce que ça donne? On parle... Oui, ça arrive. Ouais. Alors, je pense qu'aussi
c'est important d'être malléable, d'être coopératif. Parfois, c'est difficile. Tu as ton façon de voir des choses, mais ça ne veut dire rien parce que tu ne peux pas imposer, mais tu dois être très vite pour comprendre dans l'idée, la direction. Puis avec ça, tu peux t'assurer que tu donnes le meilleur résultat. Et en ce qui concerne les références, et plutôt tes collaborateurs, parce que c'est évident, le directeur de la photographie qui vient apporter ses images. Donc c'est vrai que du coup, tu joues un rôle clé en fait, et puis de tout ce qu'on dira aussi sur l'image du film. Ça arrive souvent parce que tu as comme le directeur photo a une idée, le réalisateur a une autre idée peut-être, à la stage finale, pas au début. On a une vision, mais à la fin qu'on commence la vraie couleur, la période de gestation est longue, parfois une année, tu as le temps de penser, réfléchir comment tu vois ton film. Ouais. Puis oui, on peut avoir la situation qu'on a très opinions différentes, le producteur, le directeur photo et le réalisateur. Ouais. Puis le coloriste aussi, qui vient avec quelque chose. Ah oui. Et alors, en ce qui concerne la direction artistique, est-ce qu'elle joue un rôle? Est-ce que... Oui, très importante. Ouais. Est-ce que ça peut être aussi une quatrième voie au chapitre où la direction artistique en fait est surtout là pour donner des indications, ensuite elle lâche? Non, en effet, la direction artistique est présente à la début, pour puis à la fin, la première. Puis il est content ou n'est pas content si ton coloriste a détruit tout son travail. Il ne peut pas reconnaître son travail. Mais en termes de costumes, oui. Et parfois, tu as des films qui tu penses qu'ils sont vraiment... c'est le coloriste qui a fait le miracle. Mais non, c'est le art department qui a fait. J'ai un bon exemple. C'est un film qui s'appelle Character. C'est un film hollandais qui a gagné l'Oscar. J'avais la chance de rencontrer le directeur photo, puis la première fois qu'il dit vraiment c'est un extrêmement travail, puis pendant ce temps je pense que c'était pas le DI comme option, mais je vois la pouvoir d'une bonne direction artistique depuis le début. Comment on est déjà, c'est pas un étalonnage, c'est déjà dans le film, la direction artistique joue. Et donc du coup, toutes les images en fait qui servent de référence, elles peuvent venir du réalisateur, elles peuvent venir du chef-op, enfin du directeur photo, et elles peuvent aussi donc venir, enfin tu peux avoir aussi le dossier direction artistique dans les mains, ça c'est quelque chose qu'on peut te donner aussi comme guide. Mais ça, on a déjà l'idée. Quand on fait les tests, les décisions qui sont prises en termes de costumes. Et parfois, si c'est pas dans bonne direction, tout est bas pour tous les films avec un mur qui est pas dans la bonne bonne couleur. Ouais. Puis c'est vraiment parfois difficile de changer, de retoucher ça. Parmi les rares films sur lesquels il y a eu des choses qui ont déjà été déposées à la Cinémathèque québécoise, il y a Saint-Martyr des damnés. Et donc, il y a tout un dossier, et il y a effectivement le dossier de direction artistique pour ce film sur lequel tu es crédité au générique de début. C'est la seule fois que je suis crédité pour le début, oui. Et effectivement, il y a des vrais partis pris en matière de couleurs. Et dans le dossier artistique, je me suis demandé si toi tu l'avais eu entre les mains. Il y a notamment, alors il y a des tableaux du XVIIe siècle, dont certains, je ne me souviens plus des titres exacts, je les ai notés quelque part, mais c'est sur mon ordinateur. Et puis il y a des photographies de Lynn Cohen, qui est une photographe qui photographie surtout des endroits un petit peu déserts et qui dégage une certaine... mais qui du coup sont des photos en noir et blanc. Alors il y a quelques photos un petit peu vieillissantes, par exemple d'un vieux bus blanc qui est envahi par les herbes, un peu rouillé, etc.
Et du coup, je me suis demandé si toi, ce sont des images que tu as eues entre les mains. Comment s'est fait du coup ce passage en fait? Alors évidemment, le passage à la couleur, il s'est déjà fait aussi en fait les choix des costumes, effectivement, des couleurs de décor, etc. Mais comment, juste sur ce film-là, comment tu as travaillé avec Aubert? Comment tu as travaillé avec Asselin? Comment tu as travaillé avec la direction artistique en fait pour ce film qui est incroyable? Waouh, wow, ça fait longtemps, je sais. Ouais. On était vraiment très. Très gâté avec toute l'équipe. C'était un. Le directeur artistique, oui, tu as raison, je me souviens. Il est venu plusieurs fois dans la salle d'étalonnage. D'accord. Oui, oui, oui. Puis on a demandé tout le temps si. On a son opinion, si c'est ça qu'il a imaginé aussi pour sortir sur le film. Et puis, ils sont des parties qui on a fait des traitements différents, vraiment très, très forts, comme l'extérieur. On a changé beaucoup les couleurs des foliages. Mmh. Puis l'intérieur qui donne cette oh, ça fait longtemps. Je sais que j'ai parlé beaucoup de cette expérience, plus que moi, pendant les dernières années de travail. J'avais des expériences qui m'ont tout le temps. J'ai réalisé des choses que je n'étais pas. Comment ça veut dire aware. Conscient. Ouais. Oui. Puis la communication qu'on a réussi à établir avec Robin, c'est vraiment très, très intuitif. Il te peut parler de certaines choses, mais c'est son réaction primaire qu'il réagit d'une certaine façon. Il te laisse travailler, puis il vient, oh, je le sens. On a essayé d'établir une mood. Dans les manoirs, le corridor est tout le temps à essayer. Ouais, c'est ça, c'est pas ça que je veux. Mais pour moi, comme coloriste, c'est pas suffisant. Puis, contraste, plus contrasté, plus délavé, dans quelle direction. Et puis, ça, je garde ma tête tout le temps. Est-ce que tu as vu Barton Fink, Nico? Oui, je l'ai vu. Ok, donne-moi cette feeling. Ok, oh oui, maintenant je sais. C'est ça aussi un bon exemple. J'essaie de garder beaucoup de films comme référence. Parfois, je ne l'aime pas, mais je le garde quand même. À cause qu'une fois, un client me demande de donner pas nécessairement le look, cette mood. Parce que le mood vient avec. Le look vient avec le mood. Et juste un look. Ça fait rien. Il s'est marié bien avec quand tu as créé un mood avec ton traitement des couleurs. Tu peux parler des looks. Ouais. Mais là, justement, Barton Fink, peut-être que tu l'as revu pour te remettre dedans ou finalement. Non, je l'avais parce que c'est tout parce que je c'est ça exactement. C'est un peu oui. Sensible en fait. Oui. Ouais. Ce sont des choses qui. Tu parles de Ringo ou de Carrie. Tu t'imagines déjà une fille avec des longs cheveux ou je sais pas, ou brother comme exemple. Oui, c'est ouais. tout est délavé. Ce sont des références très fortes. Mm. Puis récemment, j'aimais beaucoup un film russe qui s'appelle Léviathan. Gagné, je pense, nominé pour Oscar. Non, il a reçu des prix en tout cas. Très, très, un bon film et aussi très. Très esthétique. Et ça, j'aime beaucoup utiliser comme maintenant, quand je parle de ce film, je sais déjà qu'est-ce que c'est comme référence de couleur, de contraste, éclairage, que ça vient avec ce film. Ce sont des films. T'as une constellation comme ça. À partir de cette direction, on fait notre recherche plus précise. Mm. Puis on réussit de faire notre recette pour notre film. C'est notre. C'est ce look
c'est unique pour cette film. Ouais. Et alors, puisqu'on parle justement des échanges, en fait, aussi, des réactions du directeur photo, du réalisateur, en fait, par rapport aux images, comment, toi, tu organises ton travail? Parce que j'ai rencontré, par exemple, des coloristes qui disaient, bah, j'aime bien qu'on me donne quelques références au départ et ensuite, si c'est possible, je m'enferme pendant, par exemple, pendant 2-3 jours tout seul. Je fais en fait je travaille sur tout le film, etc. Je fais une première proposition et après on ajuste, on revient en arrière, etc., etc. Mm-hmm. D'autres adorent avoir en permanence en fait être accompagné. Oui. Comment toi en fait tu je pense que c'est un petit peu un mélange des deux. Mm-hmm. Oui. J'ai besoin de temps pour moi-même pour expérimenter, pour savoir. Avant que je commence les films, j'aimerais garder les films tout seul. Pour s'assurer que tout est techniquement correct. D'accord. Avec le son ou sans son? Avec le son, c'est oui, avec le son. Puis, encore, je joue l'avocat du diable et je m'imagine que cette partie peut rester comme ça. Et juste, j'essaye l'extrême juste pour moi. Et parfois, je ne le mentionne pas du tout. Comment je peux dire ça, c'est comme I sharpen my weapons. Je veux juste m'assurer que tout est vraiment clean. C'est ça que je peux utiliser, j'ai tous mes outils nécessaires. Avec cette sorte d'images, de matériel comme raw, pas si haute définition, assez loin que je peux aller. J'utilise ça comme une source de recherche. Oui. Je garde des films similaires, avec une thématique similaire, avec une histoire similaire. D'accord. Puis j'ai fait mon recherche avant que le réalisateur me pose des questions. Oui, ça... Alors, question à ce moment-là, quand tu regardes le film pour la première fois, est-ce que tu le regardes avec la lutte des Dailies, avec la question qui est, en fait, par exemple, quand tu as travaillé... Avec la lutte des Dailies, oui. D'accord. Parce que du coup, effectivement, quand toi, tu travailles, par exemple, sur Confession d'un homme dangereux ou sur Aviator, il y a quelqu'un qui va passer après toi, qui est, je crois que d'ailleurs, pour les deux films, c'est Nakamura, je crois. Enfin, oui, exactement, oui, tu as raison, oui. Et donc, effectivement, du coup, une des questions, c'est effectivement quel apport des Dailies, en fait, mm-hmm. à l'étalonneur. Parce que toi, tu as été des deux côtés. Bah, dans cette case-là, je suis très fier parce que c'était pas mal proche. D'accord. Mais pas chaque production a cette... Ce sont aussi des films qui sont comme référence pour mon travail, quand même. Mais pour... Pour Scorsese, c'était son premier film qui a. C'était l'Aviator qui a fait des digital dailies. Il était habitué avec des print dailies. Puis c'était la première fois qu'après Gangs of New York, il a commencé à utiliser le téléciné comme outil entre son screening et qu'est-ce qui a été tourné. C'était déjà une interprétation qui. Il a remplacé son color timer, l'étalonneur, avec un coloriste. Puis cette expérience était un petit peu pour comme une cinéphile. Je fais partie de cette expérience. C'était quelque chose d'extraordinaire. Puis oui, les masters qui étaient faits à partir des dailies, qui sont des rubans assemblés, étaient utilisés comme référence. Ils sont, je regardais le film final, oui, ils sont des parties qui sont un petit peu pas si loin, pas si loin, plus perfectionnées, plus beaux. Le coloriste finition qui a son talent qui donnait ça. Mais dans cette deux situations ou trois situations spécifiques, j'avais une bonne partie comme interprété. J'avais des moments dedans. C'était... Par rapport à ce film-là, il y avait aussi une étape encore antérieure qui était la mise en place je crois qu'il y en avait au moins deux, des luttes en fait avec le système qui était censé reproduire les images du Technicolor. Oui. Cette lutte était développée plus tard, après le tournage. Ah, d'accord. Ah, oui. Alors, tout ce qui était d'accord. transféré, je n'avais pas, pendant ce temps-là, je n'avais pas de lutte. D'accord. Mais lutte, c'est un terme qui. Mon collection couleur est déjà une lutte.
par définition. Disons, on change des couleurs d'une façon ou l'autre, on change les cubes de couleurs, puis à partir de ça, tu peux créer une lutte. Oui, puis, une lutte, en fait, c'est un chemin. C'est une lutte, c'est quelque chose, c'est ton recette. Oui, tu prends ton recette et tu l'appliques sur une autre fois. Mais tout le temps qu'on a fait des transferts de délices pour Evietter, c'était la correction couleur. Puis cette correction couleur était interprétée avec une lutte pour faire la correction finale. Et cette lutte était appliquée sur la projecteur. Puis, était beaucoup de color management, color science qui venaient des Technicolor qui ont réussi de donner le meilleur résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici comme délice transfert? C'était un broad stroke, painting stroke, une direction. Puis le reste, c'était fini. Mais la question du rendu Technicolor était déjà présente dans les discussions? De quoi, excuse-moi? La question du rendu propre au film Technicolor des années 30. Ah oui, oui, c'était parlé depuis le début. C'était la première rencontre avec Bob Richardson, c'était... il savait exactement, c'est les deux strips Technicolor, puis pour cette partie-là, à la début de Howard Hughes, puis après ça, on switch cette partie encore, color script, three strip Technicolor, puis on avait deux sortes différentes, British et North American Way, puis la dernière était, comment on appelle ça, pas modern look, je ne me souviens pas. En tout cas, des trucs, trois ou quatre looks distinctifs pour cette partie. Oui. Alors, tous les délits sont transférés avec cette décision. Est-ce que toi, du coup, est-ce que toi, par exemple, tu peux dire je voudrais tel ou tel étalonneur en fait pour mes délits? Oui. 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 D'accord. C'est le directeur photo qui demande ça. Ah, c'est le directeur photo. Oui, 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 oui. D'accord. Parce que du coup, est-ce que toi, ça t'est arrivé justement d'avoir en fait de récupérer des délices sur le. Soit tu avais travaillé en amont ou justement tu n'avais pas travaillé en amont sur le film et de dire bah, finalement, c'est pas mal. Enfin. Je ne suis pas sûr que j'ai compris la question. C'était pas encore une fois. Est-ce que. Parce que par exemple, là, visiblement, les délices que tu as fait pour Aviator. Elles ont été le travail que tu as fait, en fait, a été reconnu, etc. Est-ce que toi, ça t'arrive à l'inverse, d'être du coup dans la position d'étalonneur finish et d'avoir eu des films où finalement tu regardais le film avec l'étalonnage d'Élise et tu dis, bah, c'est pas mal. Oui, ça arrive. Ouais, oui, ça arrive. Ça arrive. C'est ça la raison aussi que les directeurs photo, quand on parle d'un film avec des looks très très forts comme esthétique, il fait son recherche pour trouver un coloriste qui n'est pas vraiment une technicienne, c'est un coloriste qui comprend qu'est-ce qu'il veut reproduire sur le grand écran. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le fait par exemple de s'occuper de faire les rush days, enfin les dailies en fait, est-ce que ça peut être considéré comme une étape dans l'évolution du métier vers étalonneur, enfin, coloriste, finish. Si je comprends bien, c'est quoi exactement la position maintenant des coloristes qui... Est-ce que les jeunes, est-ce que par exemple, un jeune qui veut devenir coloriste, enfin, chez nous en France, on utilise les deux termes de manière complètement équivalente, hein, mais, donc coloriste, puisque c'est... Donc, qui veut devenir coloriste, est-ce que le fait, par exemple, de passer par les dailies, est-ce que c'est une étape? Ah, d'après moi, non, ce n'est pas nécessaire. Mais ça, c'est quelque chose de très subjectif parce que pour mon chemin, j'ai commencé comme coloriste définition. Puis je suis rendu sur les délices, mais je suis rendu sur les délices à cause que j'ai transféré les délices sur le monde avec des délices, est-ce que je peux dire spéciales, des délices qui demandent une coloriste avec l'expérience. Mais ça coûte très cher pour une production, pour utiliser un coloriste final de faire des délices. Alors, c'était un luxe. C'était un luxe.
qui la production était préparée à payer depuis le début, à cause qu'elle a reconnu l'importance de créer la direction avec le art direction, tout le monde impliqué dans ce processus pour l'importance des films. Oui. Non, pas nécessairement. Je trouve un petit peu, c'est une industrie très ségrégée. Puis, là, comment ça marche, ça dépend des continents, ça dépend des pays aussi, ça dépend des chances que tu as dans ta vie. Puis, tu dois juste aller, ok, ça, si je travaille maintenant avec, pour cette production comme daily coloriste, ça m'a donné la possibilité de rencontrer ce directeur photo que j'admire. Puis, peut-être, on a quelque chose ensemble, puis pour la prochaine film, on peut tester. C'est tout ce milieu, c'est un million de connexions. Ouais. Avec performance et connexion. Ouais. Puis, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour moi, j'utilisais tout. Je n'ai jamais dit non à quelque chose. Mais par contre, je suis très, très exigeant. En fait mon recherche avec mon façon de travailler, puis je pense que ça, je suis content que j'ai commencé à travailler, j'ai appris mon métier en Allemagne. Ça m'a aidé beaucoup pendant mon travail. Eh oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est une chose, la façon que je vérifie mon travail après, juste pour m'assurer, ok, tout est bien, le DCP est bon. J'insiste de le voir avant que le client, pour m'assurer que quand je présente quelque chose, je ne perds pas de temps des clients. Ça fait de ton professionnalisme. Tu as une responsabilité. Mmh. Alors du coup, si on revient en fait un petit peu à ton mode de fonctionnement, donc au début, tu aimes bien être un petit peu tout seul en fait pour tester. Oui. Ça dure combien de temps en général? Non, je sais, j'hésite à répondre parce que je veux donner quelque chose de réaliste en termes. Parfois, si je sais que les films commencent dans 6 mois, ou je sais qu'on chaque semaine, je joue un petit peu, j'ai une idée, j'essaye. Mais un jour, c'est suffisant. D'accord. D'après moi, oui, une journée est suffisante pour avoir une direction, ok. Et tu travailles sur l'intégralité, tu travailles progressivement ou tu switches de scène en scène en disant je vais traiter toutes les scènes avec ce décor-là? Mais j'aime la chronologie. D'accord. Oui. Parce que, encore, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé pendant mon travail, pendant des années. Si je garde mon collection couleur, quand je parle de collection couleur, on parle de mon autre collection couleur. C'est juste comme pour s'assurer que je ne prends pas. On peut couper cette partie. Anyway. Non, si tu gardes ton collection couleur depuis le début à la fin, et tu, c'est constant et tu aimes qu'est-ce que tu vois. Si tu joues ton collection couleur backwards, comme on dit en français, en arrière. Tu as des expériences, des surprises pas plaisantes. D'accord. C'est une seule façon de garder les films à partir de la bobine numéro 1 à la fin. Alors, aussi, qu'est-ce que c'est important? Comment tu fais une transition d'une scène à l'autre? Et ça, c'est vraiment très important. C'est seulement parfois un plan. Mais si ce plan ne marche pas, tu as un film qui est étalonné, saccadé, des blocs qui ne marchent pas. Puis ça fait partie de rencontrer l'histoire. C'est ça que j'aime comme métier. On rencontre l'histoire d'une autre façon. Puis la réponse est oui. Je peux trouver certaines recettes pour certains scènes, pour savoir comme référence. Si on n'a pas beaucoup de temps, une des créatives doit partir sur un autre projet, on arrête, on prend une master, un plan large, un close-up, pour donner grosso modo les looks, les différentes. Puis à partir de ça, on commence la collection de couleurs depuis le début.
Mais non, j'aime pas. C'est vraiment très pas productif du tout d'étalonner pour moi. Ouais. Il y a un film justement où j'ai trouvé qu'au niveau du rendu des peaux et puis enfin, où l'arc en fait était narratif, du coup au niveau de la couleur était assez clair, c'était dans Gothica. Et notamment sur le rendu de la peau d'Halle Berry, qui est donc cette médecin reconnue, appréciée, etc. au tout début, et qui je trouve en fait est assez rayonnante dans des tons bruns, chauds et élégants. Ah oui. Et qui évidemment, bah, dès lors qu'en fait sa vie va basculer dans la folie, en fait, devient de plus en plus livide, etc. Donc ça, j'imagine que c'était aussi déjà des directions au niveau C'est déjà la direction des. Oui, de la c'est direction la photo. direction photo, c'est la Ouais, façon d'éclairage, puis la fin. Je travaille sur le bon soleil de Dalí aussi, encore pour ouais. ce film-là. Bah oui, Mathilde Batik est vraiment extraordinaire en mélangeant Ouais. des couleurs, puis donner cette impression, oui. Ouais. Et après, du coup, pendant les autres jours, en fait, sur lesquels, enfin, quand tu travailles, en fait, tu aimes bien que le réalisateur et le directeur de la photo soient là, ou seulement l'un des deux? Qu'est-ce que Je tu... préfère quand tout le monde est présent, Ouais. spécialement dans le début des films, pour prendre des décisions. Sinon, on rentre dans une situation difficile, qu'on commence quelque chose avec seulement nous deux, moi et le directeur photo. Puis à la fin, après une semaine de colorisation en couleur, on est en autre direction. Donc, recommencer le travail, c'est la chose que j'ai la plus difficulté à gérer. Pas détruire nécessairement, refaire. Et ça, je dis avant, j'essaie d'être très, très malléable. Mais parfois, ce n'est pas facile. Parce que c'est comme tout est programmé déjà dans certaines directions. Puis ça arrive. Mais pour avoir de bons résultats, c'est mieux d'avoir une discussion, des rencontres, comme à la début des pré-productions. Décider dans quelle direction ça va. Laisser vraiment des portes, beaucoup de portes ouvertes pour aller en différence, pour faire d'exploration. Aussi accepter que pour cette partie, je ne suis pas sûr, mais ça va venir. Et plusieurs fois, c'est ça que peut-être je peux dire que c'est la seule constante dans un processus inconstant, inconsisté. Et pendant la moitié des films, tu trouves quelque chose qui te dit, ah, je pense que c'est ça qui c'est les colonnes vertébrales de ce film. Puis on appelle ça c'est le look. Okay? C'est notre look. Ça sont des caractéristiques qui définissent très bien notre film. On continue, puis on commence depuis le début avec la nouvelle recette qu'on a découverte. Puis on applique ça. On regarde encore une fois. Ah, je pense qu'on est dans la bonne direction pour certains plans. D'accord. Après ça, si on est d'accord que ça marche, on demande tout le temps qu'est-ce que tu comment tu réagis. On écoute parfois des hésitations. Non, non, c'est correct. J'arrête, non. C'est quelque chose qu'on ne sait pas exactement qui on plaît, mais on va trouver. Alors, on met une marque parce que c'est notre réaction primaire et une petite peu d'hésitation. Tu le sens si ça marche ou non. Ah oui, et c'est ça qui permet de décider quand est-ce qu'on s'arrête de travailler sur un plan. Oui, c'est ça qui est exactement, c'est ça qui est vraiment très important pour moi parce qu'on essaye aller plus loin dans une direction ou dans l'autre et de savoir d'arrêter dans certains points pour dire exactement, je sais maintenant, c'est ça qu'on a cherché depuis le début. Et Les on en chasseurs est, de trésors, ouais. on n'a aucune idée. Chaque jour, je me réveille, je commence ce film. Comment je m'imagine? Et parfois, je sais, écoute, non, je ne veux rien savoir. Jump in the cold water, on va trouver ça. Mais parfois, je sais, ok, cette partie, je pense que j'ai gardé les films ensemble avant des corrections couleurs. Je voulais appliquer ce traitement pour aller dans cette direction. Et plusieurs fois, c'est la mauvaise direction. J'ai appris de laisser tomber. Et ça, c'est encore une raison que j'aime beaucoup de travailler avec les créatifs. Parce qu'il a un autre. C'est difficile. Oui et non. On trouve des choses par accident. Et
cet accident, tu ne peux pas trouver toute seule. C'est la réaction entre nous comme créatifs. Mm. Qu'est-ce que nous fait réagir de cette façon? Puis... Est-ce qu'il arrive souvent que toi, tu sois très content d'un plan et que le directeur de photo dise non? Ou à l'inverse, que le directeur photo dise « Oh, mais non, mais c'est exactement ça. » Et que toi, tu ça arrive, ça arrive. Et c'était aussi une autre leçon que j'ai appris comme travailler avec. Parce que, en effet, mon professeur, c'est mon client. Mm. C'est à cause des réactions à ce que les demandes qu'elle fait, c'est ça l'école. Mon école était avec mes clients. Mm. Puis oui, on tombe en amour avec un plan, on tombe en amour avec notre collection couleur. Ça, c'est un look vraiment extraordinaire, c'est vraiment flashy. Mais puis la question qui se pose de ton client, c'est oui, c'est bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis tu réalises, ok, ça dit rien, ça n'a rien à voir avec notre histoire. C'est juste un beau plan étalonné. Et c'est ça la partie la plus importante. Tout le temps pour te demander, pour laisser. Je pense que ça passe aussi avec un éditeur, un monteur, avec un réalisateur qui doit couper dans son film des plans qu'il est tombé en amour pour faire l'histoire qui ça marche, les films qui marchent. Et ce sont des coupes vraiment très, très douloureux. Puis un coloriste aussi, il aime beaucoup de travailler, sortir, qu'est-ce qu'il peut faire avec ses outils, avec ses imaginations, mais c'est bien de traîner ton ego. Mm. Si ça ne marche pas avec l'histoire, tu as perdu. Si il sort devant, les spectateurs gardent ton correction couleur, pas le film, et si vraiment c'est pas bien fait, tu penses que c'est un défaut technique. Et est-ce que tu as aussi le sentiment, alors c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, parce que peut-être que tu es entouré de directeurs de la photographie qui savent, voilà, et puis ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc., qui ont l'habitude de travailler avec l'étalonnage numérique. Je pense peut-être plutôt au début de l'étalonnage numérique, où les directeurs photo qui étaient habitués à l'étalonnage photochimique découvraient toutes les possibilités et avaient peut-être envie de beaucoup jouer avec cet outil. Oui. Et donc, du coup, je me demande dans quelle mesure, en fait, le coloriste, il est donc à la fois au service du client, mais en même temps, il sait aussi qu'il a peut-être, je ne sais pas moi, 80 heures, 3 semaines, je ne sais pas. Et donc, de dire, non, mais là, on ne peut pas passer plus de temps que ça, en fait, sur tel ou tel plan. Il faut avancer, parce que sinon, au bout des 80 heures, on n'aura pas fini l'étalonnage du film. Oh, ça, c'est vraiment une question très délicate. C'est intéressant que tu poses cette question. C'est une des... on a mentionné déjà... ton responsabilité comme coloriste, tu dois gérer ton temps. Mm. Ça, c'est sûr. Puis, ce n'est pas facile. Si tu travailles déjà avec un client qui tu te connais déjà depuis longtemps, les facteurs de confiance étaient déjà là. Puis, il dit, OK, écoute, tu peux parler direct. Je pense qu'on a passé déjà de plus de temps. Mais on doit avancer. On va revenir pour cette plan. Ce n'est pas un plan qui n'est pas important, mais on perd des temps qu'on peut utiliser pour l'autre partie des films qui est peut-être plus difficile. Par contre, si je rencontre la client pour la première fois, c'est un petit peu difficile. Puis, c'est aussi, ça dépend des backgrounds de ton directeur photo. Et aussi, s'il est habitué à travailler dans le commercial, on a autre time factor pour jouer avec les 10 plans dans 8 heures. Par contre, voilà, DDI, on doit faire 1000-1500 plans dans 80 heures, puis ça vient avec beaucoup de retouches. Tu ne peux pas gérer ça. Tu espères, on espère, j'espère que je gagne confiance très vite pour donner mon opinion, mais sinon, j'essaye de dire, écoute, dans une manière très délicate, j'aimerais bien essayer quelque chose, je pense que pour
pour cette partie-là, je suis rendu en cul-de-sac. Puis demain, peut-être que je vais avoir une autre idée. On peut avancer. Puis, dans cette façon, tu peux sortir de stuck in the moment feeling. Et ça, c'est très important de réaliser. Ouais. Et là, du coup, on voit un peu la configuration de la salle. Est-ce que, du coup, le chef improvisateur sont sur les sièges là ou plutôt assis Ouais, à non, côté de toi? ça dépend. Ça, D'accord. c'est pas vrai. Plusieurs fois, j'ai mon directeur photo près de chez moi. D'accord. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu, d'abord nous dire quand est-ce que tu es passé donc du coup de Da Vinci à Bezlight? Et un petit peu bah, nous montrer un petit peu comment ça s'organise à tous ces milliers de boutons là. Ah oui, oh, ça c'est spécial parce que tout le système de connexion sur le système a beaucoup de choses en commun et puis sont aussi différents. J'ai commencé avec Da Vinci, puis j'ai appris Luster comme mon première collection couleur pour DI. Puis après Luster, j'ai choisi le Bakelite comme collection couleur. Puis, qu'est-ce que c'est intéressant avec ce système? Tu le peux configurer comme tu veux. Je peux travailler comme un Da Vinci ou un Luster. Toutes les choses qui. C'est plus une. Si tu veux ici, tu peux Ouais. configurer ton panel, tu comptes bouger les fonctions de ton panel dans différents côtés. Et je l'ai. D'accord. C'est mon configuration. Si D'accord. quelqu'un vient, mon collègue travaille ici, il va choisir son left-handed, right-handed, Oui, puis son d'accord. configuration, tout ça. Ça commence avec. Simplement, tu as choisi des panneaux, comment tu appelles ça, Une console? des consoles, mais si. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'organique. Une musicienne aime choisir son guitare. Puis ici, ça s'est fait des bois de guitare aussi. Quand tu touches, tu dois sentir que tu fais quelque chose de bon. Ça fait partie de ton. Alors, puis tu peux. Configurer ton tu peux configurer ton espace de travail comme tu veux. Tous les outils ici sont interchangeables. Mettre la saturation dans une partie. D'accord. Donc c'est cette flexibilité-là, en fait, que tu apprécies Oui, avec la Bezlight. je peux dire sans hésitation, je peux faire avec ce système tout ce que je peux faire avec l'autre. D'accord. Et est-ce En que... termes, je parle des outils pour coloristes. Oui. Parce que parfois, ils sont des, on fait des comparaisons avec deux choses différentes. Qu'est-ce qui était pour moi important quand j'ai décidé de travailler avec ce système? C'est qu'est-ce que j'ai comme outil pour travailler? Et ça m'a donné beaucoup de flexibilité. Alors, la flexibilité de changer les places, est-ce que tu as l'impression aussi que ça Ça, c'est un te... exemple, ça, Ouais. oui. Est-ce que ça te donne plus Ah, rapidité. de rapidité? Oui, oui, Ouais. oui, oui. Si je dois travailler avec une, disons, keyboard, ou seulement avec les souris, ça va prendre, je pense, que 10 fois plus long qu'avec le Oui. panel, oui. D'accord. C'est tout, tout, je le connais par cœur, tout le, cette fonction. Comme je vois, je dois garder l'écran par le panel. Et ta méthodologie de travail, en fait, elle ne change pas, elle est toujours la même. Là, par exemple, on avait un étalonneur, Benoît Côté, en fait, qui nous a montré un petit peu un nuage, en fait, des layers, en fait, qu'il avait. Oui. Et il m'a dit, mais là, je travaille de cette manière-là, mais ça se trouve, ça s'organisera de manière totalement différente dans 3 mois. Non, je suis très précise dans D'accord. mon. Ouais, ouais. C'est mon côté allemand qui m'a appris. Je dois être très organisé dans ma fa façon. D'accord. Alors, la façon que j'ai créé mon look, Ouais. mon stack, chaque layer a une certaine option, puis ça m'a donné des flexibilités plus tard si on change l'idée.
D'accord. Je ne dois pas refaire mon travail pour si la direction change, ouais, pour plusieurs raisons, j'ai encore la possibilité de refaire tout dans pas beaucoup de temps. D'accord. Mais ça, c'est ça que j'ai décidé depuis le début. Ça, comme pour la même raison que je dois gérer un temps précis pour finir mon projet. Et est-ce que, du coup, j'avais, je ne sais pas si c'est le cas pour Pessal, mais il me semblait qu'on avait gardé le vocabulaire issu de l'argentique, par exemple, cross-processing, mm-hmm, ou pitch bypass. Oui, ou oui. Pitch bypass, pardon. Est-ce que c'est le cas pour Baselight? Est-ce toi qui as utilisé, qui a été formé sur plusieurs, en fait, plusieurs outils, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des différences sur ces procédés-là? Oui, c'est encore, sont des références visuelles. Ouais. Puis, il existe des plugins qui simulent ce processus. Aussi, aider des grains sur l'image, juste pour répliquer l'effet photochimique. Mais un plugin est un plugin. Puis, tu l'utilises pour donner une direction, mais tu ajustes le plugin et aussi. Ça t'aide beaucoup, c'est comme ton référence visuelle. Quand tu as mentionné déjà un cross-process, je sais déjà qu'est-ce que ça donne. Ça en a l'air pour rechercher une image. Puis, si je veux être plus précise, je prends l'image et puis cross-process, c'est encore très, très large comme définition. Ce sont des cross-process différents en termes de. Tu peux choisir 10 photos différentes, 10 photos avec la même les cross process, mais comme palette de couleurs complètement off. Ce sont des caractéristiques plus pour chaque procès argentique qui donnait les contrastes étaient forts, couleurs saturées pour cross process, puis bleach bypass, un petit peu l'opposite, avec, on reste avec un contraste fort, mais désaturé l'image, un look de silvery look, on peut appeler, qui était associé avec ce. Bleach bypass. Est-ce que le cross-process, justement, tu as des exemples de films sur lesquels tu l'as appliqué? Je l'ai utilisé pour flashbacks, je pense. D'accord. Et si je me souviens, la dernière fois, mais comme référence, parce que on n'aime pas d'associer notre travail avec des stéréotypes. On veut pas. On aime de dire que oui, c'est un flashback. Donne-moi le look de certains films comme référence. Mais pour répondre à la question, je pense que c'est un film qui s'appelle Décharge. Et pour les flashbacks, j'ai utilisé la direction comme cross-process, comme référence. Mais c'est comme la mode, ça revient encore un petit peu étalonner tous les films avec cet esprit, mais c'est très fatigant. Un bon exemple, c'est Dominant, c'est cross-process, dès le début à la fin. Je fais pas le temps, je ne peux pas garder les films parce que c'est trop fort. Comme là aussi, la façon qui a été édité pour moi. Mais oui, cross-process, ça c'était comme une idée. Puis, quand tu fais l'analyse d'un film, tu dis, ok, ouais, c'est un petit peu plus cross-processé, c'est plus bridge bypass, donc c'est l'idée. Ça, tu sais déjà comme direction, puis tu trouves ton bridge bypass pour ton film. Oui, 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 j'entends bien. Tu évoquais le bois de la guitare. Ah oui. Effectivement, ça ressemble à un instrument de musique. Et quand on avait discuté, il y a deux jours, en fait, et d'ailleurs on a coupé la musique, mais et tu me disais que la musique était très importante pour moi. Pour toi. Oui. Est-ce que tu es musicien par ailleurs? Non, pas du tout. Qu'est-ce... Je suis écouteur par ailleurs. D'accord. Qu'est-ce que la musique en fait apporte et Est-ce que tu peux nous expliquer aussi le choix des musiques par rapport à certains films? Enfin, est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ah.
Ça m'a donné ça m'aide beaucoup de trouver mon approche pour les films d'étalonnés. Est-ce que ça, la musique change selon les films? Ils sont deux façons différentes. On parle des films que j'écoute qui n'ont rien à voir, qui viennent de mon library. Oui. Et encore, sont d'un cas à l'autre, chaque projet est différent. Si ce n'est pas la première fois que je travaille avec la même team, il me connaît déjà, il me laisse choisir mon musique, puis on commence la colorisation en couleur. Sinon, je suis un petit peu timide à la début, je laisse. C'est fatigant parfois de travailler avec les sons des films, alors, parce que c'est un processus saccadé. Mais c'est important de garder les films depuis le début avec les sons pour savoir si est nuit, si est jour parfois, si pas dans cet extrême, mais. Qu'est-ce que ça va dire pour écouter son? Mais pour moi, les sons que j'écoute pendant mon travail, je pense qu'affectent mon subconscient pour faire des références avec le sujet des films. Alors, si une drama, je vais choisir une film score qui c'est dans le même genre. Puis, c'est de cette façon, c'est le monteur qui fait la même chose avec son choix de musique pour les offline. Le pouvoir des sons, chaque fois, après 20 ans, je le réalise quand j'ai fini mon travail. Et dans ce stage-là, c'est seulement une collection couleurs. Puis j'écoute la deuxième fois le travail comme discipline avec les sons. Puis je trouve plusieurs fois que le film est encore magnifié, sa beauté, ou peut détruire le feeling des films. Mm. Et c'est ça que je réalise que j'oublie souvent que le film n'est pas fini quand je finis mon collection couleur. C'est une autre étape qui est vraiment aussi forte que le reste de l'ingrédient. Oui. Est-ce que alors, ça t'arrive du coup, par exemple, s'il y a de la musique qui est rajoutée après toi, d'avoir étalonné d'une certaine façon, et puis quand tu vois le film fini, tu te dis, ben, si j'avais su qu'ils allaient mettre cette musique-là, j'aurais pas si fort, mais oui. Un petit décalage. Une scène qui n'était pas musique, pas du tout, puis je l'ai trouvé qu'elle était détruite. La beauté d'image était détruite avec une musique qui prend la place trop dans une scène qui... Mais je ne suis pas un film critique, je pas... Mais c'est une bonne opinion des spectateurs. Puis j'ai trouvé ça... On est dans une possibilité de juger comme coloriste. On est vraiment très gâtés. Je suis très, très chanceux d'avoir de participer dans une chaîne assez complexe. Voir l'étape de filmmaking, les rôles dans cet orchestre, qui joue quoi. La pouvoir de ces stages. Et bon, il y a souvent quand même un petit peu de son quand tu vois le film. Je sais pas, les dialogues enregistrés en son direct, des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de choses déjà dans la copie sur laquelle tu travailles. Est-ce que, comme du coup tu travailles en fait avec ta musique et puis sans son pour les séquences, Est-ce qu'il t'arrive d'étalonner et puis de voir si ça marche avec le son et de te dire je vais changer un petit peu parce que l'émotion elle est un petit peu différente. En effet c'est se sont mélangés parce que qu'est-ce qu'on fait, j'étais plusieurs fois très surpris. Il existe une lien très fort entre entre les mixeurs de son et les coloristes. Dans deux mondes différents, tu peux, on fait la même chose. La transition qu'on fait en colorisation entre une image, fait to black, fait from black, il fait avec la musique. Puis parfois, tu as besoin le montage est déjà fait. C'est cette sorte de transition que j'ai dit. Mais oui, on a
on a la demande très souvent pendant la session de correction couleur, pour sortir une copie pour le son, pour donner leur idée, qu'est-ce que ça passe dans le film. C'est très interactif. Chaque travail affecte l'autre. Ouais, ouais. Alors, il y avait une autre question, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la question de la musique ou du son, mais qui est la question des acteurs. Je voulais savoir si de temps en temps, tu avais des acteurs ou des actrices qui étaient venus voir, qui étaient venus ici, en fait, pour regarder un petit peu ce que tu faisais sur leur visage. Ah oui. Et jusqu'où ce qu'on appelle les plans cosmétiques, jusqu'où toi tu vas et à quel moment en fait tu lâches en disant ça c'est pour les effets visuels, ah, oui. C'est pas moi qui m'en occupe. C'est très simple. S'il n'y a pas beaucoup de travail à faire, une petite chose, et ça n'arrive pas souvent, j'aime beaucoup de le faire parce que c'est vite et puis on peut avancer. Mais si quelque chose qui arrive souvent, avec le même acteur, avec le même défaut, avec la même imperfection, c'est quelque chose que je ne peux pas faire assez efficace et aussi assez bon. Je laisse le travail pour les spécialistes. Puis tout de suite, on parle avec les post-production supervisor, on décide d'envoyer tout ce plan en question pour traitement d'effets spéciaux. Et est-ce que du coup, tu as eu des acteurs ou des actrices qui sont venus un petit peu... Non, jamais. Si l'acteur est le réalisateur, oui. Je travaille avec le réalisateur qui joue dans son film. Mais d'habitude, la surprise, c'est bien comme ça. Parce que les acteurs, ils vont, après le tournage est fini, sur le grand écran, la différence, qu'est-ce que ça donnait. Puis, récemment, je suis allé au visionnement d'équipe d'un film que j'ai travaillé, puis tout le monde dans l'équipe a gardé son travail. Ça, c'est pas vraiment un bon... Non, pas un feedback réaliste si le film est bon. Non. On est vraiment très, très subjectif avec le film qui travaille, ouais. Qu'on a travaillé dedans. Mais non, les acteurs ne sont pas présents. Par contre, si on... comme coloriste, on est impliqué depuis le début, pour les tournages, on rencontre les acteurs et puis on voit la pouvoir des directions photo. Comment le directeur photo est un magicien en train de choisir les bons lenses et les maquilleuses aussi, les bons make-up qui marient bien. Parce que je trouve que c'est plus difficile maintenant avec la nouvelle technologie digital caméra, de donner un look plaisant à l'acteur. Aux définitions, parfois, ce n'est pas voulu. Color rendition, la façon que la caméra digitale sorte les couleurs de peu, ce n'est pas la plus... Flatteur. D'où l'importance effectivement du coloriste dans la chaîne quand on tourne en numérique, qui peut rajouter du grain, de la couleur. Ou faire des masques. Ou faire des masques, oui. Et on a un tout petit peu parlé effectivement de la question des attendus en termes de cinéma de genre. On a parlé un petit peu justement par exemple des Trois Petits Cochons 2 qui prend un peu à rebours ce qu'on attend d'une comédie, en faisant le choix très conscient d'aller vers justement une palette de couleurs qu'on n'attend pas pour une comédie aussi drôle. Oui, oui. Est-ce que tu as beaucoup travaillé, tu as quand même participé à des films de science-fiction, tu as participé aussi à des films historiques? Je fais presque partout, des films de sport, oui, très très... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cela en fait? Est-ce que... ou nous donner des exemples, justement, où en fait, tu avais vraiment eu le sentiment qu'on prenait à rebours une esthétique attendue, voilà, ou, voilà, enfin, c'est cette question-là, en fait, des couleurs liées au genre, en fait. Encore une fois, s'il te plaît, d'une autre façon, on avait... Est-ce que tu as un exemple, comme un petit peu comme les Trois Petits Cochons, mais pour d'autres genres, par exemple, la science-fiction? Ah oui, que les traitements des couleurs, c'était pas un petit peu décalé. Ah oui. Très bonne question. Oui.
Ou pour les films historiques? Pour les films historiques. Ouais, c'est un film que j'aimais beaucoup travailler. Ça s'appelle La Petite Reine. Ah oui. Puis, on a décidé, en effet, c'est le réalisateur qui a décidé, qui a dit, juste que c'est un drama, on ne doit pas aller vraiment très contrasté ou délavé, on fait un film qui c'est éclairant. Ça, c'est un petit peu l'opposé que tu... Quand ouais. tu parles de drama, tu essaies de détruire l'image. Puis, la même chose avec un film qui s'appelle Le démantèlement. Vraiment aussi un drama, mais on est allé dans un espace très chaud, chaleureux, et c'était un drama dans ce traitement, mais encore une fois, c'est le directeur photo a dit oui, c'est ça que j'ai dans ma tête, c'est ça que je pense que c'est plus puissant, c'est plus fort si on fait cette décision en correction couleur. Et je pense que ça a marché très bien. On a fait des choix qui. On ne veut pas avoir des stéréotypes. C'est ça depuis le début qui sont de bonnes directions, mais quand tu commences à étalonner, tu te demandes ok, mais. Peut-être c'est peut-être une autre façon de donner une émotion plus forte et pas aller dans le cliché. Et pour le film Piranha 3D. Oh my God, oui. Tu l'as vu? Bah oui. Ah oui? Bah oui. Oui. C'est un film de genre. C'est Alexandre Aja est vraiment très minutieux. J'aimais bien travailler avec lui. Oui, alors j'ai trouvé que le look était vraiment vraiment très intéressant. Avec, et alors du coup, je me suis demandé dans quelle mesure c'était le look un peu, alors là pour le coup, un petit peu peut-être Kodachrome. Oui, c'était tourné en film, c'était, le tournage était filmé en film, oui, ouais. Oui. Mais, Léonetti est le directeur photo, de très belles images, mais oui, beaucoup d'effets spéciaux. Ouais. C'était un petit peu difficile à gérer ce film parce que j'avais l'impression que c'est la journée de la marmotte. Chaque jour, je commence depuis le début. C'était beaucoup de rééditing, remontage. C'était vraiment stretché pour 9 mois. Okay. Bon, oui. Parce qu'il y avait quand même des choix de couleurs. Oui, mais des choix de couleurs, c'était plus. Il m'a donné une référence visuelle. Alors, je vais te dire, moi, à quoi ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser un petit peu au Polaroid. Un petit peu. C'est une bonne direction, oui. Mm. Il n'est pas mentionné Polaroid comme... on a utilisé comme Polaroid comme la direction de correction couleur pour un film qui s'appelle « Un été sans point ni cussure ». Ça, c'est le film de Félix Leclerc. Ici, le film de baseball ouais. Expo Montréal. Ça, c'est un petit peu... On a essayé de répliquer un petit peu, répliquer comme direction. Mais Piranha, oui, était... Alexandre a utilisé, il m'a donné des références, oui, des couleurs vivides, comment on appelle, des couleurs vivantes. Vives, oui, ouais. Des couleurs vivantes, ouais, ça passe sur la... donc du coup, tout ça, en fait, tu as gardé en fait, ces matériels-là, film après film, tu as toujours les références... pour le film Piranha, par exemple? Non, c'est seulement pour le début. Puis on n'a pas changé beaucoup de couleurs pendant le film. Oui, c'est le je veux dire, tu les as gardées, tu les as archivées? Ah non, non, non. Non, ah, non. Non parce qu'il n'a pas venu avec une photo. C'était une référence visuelle qu'il m'a donnée et je l'ai choisie sur Internet. C'est un photographe que je connais, mais ça me vient plus tard. Je dois faire mon riche. Oui, non, je ne l'ai pas gardé. D'accord. Donc, bah, oui, alors, donc, du coup, donc, La Fontaine, bah, peut-être commencer un petit peu sur la collaboration avec Mathieu Libatti. Oui, 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 oui. Et puis, on a vu un petit peu des images, etc., des références. Oui, c'est intéressant parce que j'ai des notes d'une des journées d'étalonnage pour Delis, avec des informations très, très précises
comment il a vu cette film. Je suis allé sur le plateau plusieurs fois. Puis, quoi d'autre? Oui. Trois looks différents, trois parties différentes de films, je pense que des pellicules différentes aussi, des processus aussi en termes de laboratoire, il essaie beaucoup de trouver les grains dans une façon argentique. Pour avoir un feeling très 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 comment ça s'appelle ça, très granuleux. Demande-moi. C'est non, vraiment c'est... très loin. Ça fait déjà. C'est tellement. Tu aimes beaucoup cette film, hein? C'est tellement étonnant en fait, comme mm-hmm. Au niveau des couleurs. Ah oui, pour aussi, il a fait des... En effet, Mathieu est vraiment très créatif. Son background et ses music videos, puis on sent ça dans son travail. Tu as travaillé à plusieurs reprises avec Ibatique. Oui. Quand on a fait Gothica, j'ai transféré les délices pour lui, puis la même chose pour The Fontaine. Je me demandais pour The Fontaine, en fait, dans quelle mesure il y avait eu une réflexion sur l'ombre et l'encre. L'ombre comme une encre, en fait. Parce qu'on part, en fait, si je me souviens bien, on part de dessin. Mm-hmm. La question, en fait, de l'écriture revient, en fait, à plusieurs reprises. Oui. L'encre, etc. Et je me suis demandé dans quelle mesure, en fait, l'intégralité du film et des images, en fait, n'étaient pas... n'avait pas été aussi imaginé, en fait, justement, comme des dessins avec ce noir qui est une sorte mm-hmm. d'encre d'où émergent les choses. Et je me suis demandé si c'était des choses dont vous aviez parlé. Écoute, c'est vraiment intéressant. Je dis ici, c'est ça une communication, c'était une des journées des... peut-être au début. Et puis ici, c'est un exemple dans quelle façon il a envisionné les... on peut arrêter si tu veux. C'est pas vraiment important pour l'interview, on peut couper, oui. Mais juste ici. Pour trouver la recette... Libatique, en fait, te donnait des indications très précises par rapport à des essais que vous aviez faits ensemble. Mm-hmm. Donc il y avait la question, en fait, de ce jaune doré, en fait, un petit peu, là, cette couleur un peu de feu ou de... Oui. Qui est tout le temps présente, en fait, et de différentes manières. Est-ce qu'il y avait, justement, est-ce que tu avais testé plus ou moins orangé, plus ou moins doré, plus ou moins ambre, etc. Mais on a fait ça en ensemble. D'accord. À partir de son test. Et c'est... les pellicules différentes, les trucs différents, puis les processus argentiques différents. Mmh. Je te donne un exemple. Again, this is a latitude test, but I rated the film at 640, so there should actually be more density to play with than the normal process material. Please enhance the blacks. Once again, I'm interested in creating grain. Mm. Puis aujourd'hui, on fait ça avec on a des grains, puis. Mais dans ce temps-là, ça c'est 2004. Ouais. C'est 2004. Ah oui, 2004, sorti en 2006. Ouais, oui, ouais. C'était 2004. C'est ça les outils qu'on utilisait, des outils analogues. Puis, encore une fois, les tests sont faits, les négatifs étaient transférés en télécine, qui n'était pas en télécine du cas. Puis, on essaie de voir assez loin. Comment on réussit d'avoir qu'est-ce qu'il cherche. Oui. Si. C'était pas mais c'était quand même un étalonnage qu'on peut qualifier d'étalonnage numérique. C'était étalonnage numérique pour les délices. D'accord. Ouais. Exactement. C'est ça qui pour les délices, c'est ça que j'ai fait. D'accord. J'ai talonné seulement les délices qui ont donné des looks
qui était utilisé comme référence plus tard ou pour essayer dans quelle direction ça va. D'accord. Mais oui, ça c'est un autre exemple, c'était des digital dailies, on appelle. D'accord. Pour cette... Maintenant, tout est Mmh. digital, on peut Ben parler des oui. digital dailies aujourd'hui, Ben oui. depuis 5 ans, 6 ans. Mais de façon différente, plusieurs façons de communiquer avec les réalisateurs. Dans cette case-là, pour les fonds, c'est vraiment extrêmement précis. Et puis. Qu'est-ce qui était bien aussi de connaître les différentes caractéristiques de chaque pellicule. Puis on parle ici dans des tests, différentes pellicules avec des traitements différents pour utiliser plus tard dans l'étalonnage final. Et donc là, du coup, c'était encore Corvitec ou c'était déjà passé Ça, c'était 2004. Je pense que c'était déjà. Non, non, c'était Nico. C'était Technicolor, C'était d'accord. Technicolor déjà. Et alors, est-ce que du coup, à ce moment-là, donc le laboratoire en fait existait toujours, laboratoire photochimie. Et donc là, il y avait une étape fondamentale qui était le retour en fait sur pellicule. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à chez Technicolor en fait qui s'occupait exclusivement en fait de regarder ce qui avait été fait justement sur le télécinéma, et donc du coup pour que ce soit vraiment raccord avec ce qui allait être sur la pellicule. Oui, mais on parle de quality control, de consent print, ou Ah, parfois, oui, parfois il a demandé d'avoir des print dailies. ouais, ah oui, Oui, d'accord. Ah oui. pas chaque jour, mais temps en D'accord. temps pour. Et là, pour l'étalonnage final, du coup, ça c'est effectué où alors? Parce que là, Je comment? pense pas que c'est fait chez nous. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Parce que la Mais. question, après, quand on était entre du transfert argentique, numérique, argentique, la question, c'est un petit peu de savoir est-ce que le travail sur lequel on a abouti en numérique, est-ce qu'on va réussir en fait à le transcrire fidèlement en argentique? C'était ça la question un petit peu. Oui, mais pour répliquer, qu'est-ce que ça t'a fait en Mmh. délice? Ou à l'étalonnage finish par la suite. Oui, mais exactement, c'est comme, bon, encore une fois, l'étalonnage pour les délices qui étaient faits d'une façon très créative était utilisé comme point de référence, Oui, c'est puis ça. parfois ils ont resté très très proches, parfois on décidait d'échanger. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était bien un étalonnage numérique. C'était fait en numérique, Oui. oui, pour les fontaines. Et après, du coup, la question, enfin, mais pour ce film-là, mais pour d'autres, hein, c'est quand on était en argentique, on passe en numérique, on repasse en argentique. Et on est très content de ce qu'on a fait en numérique, il faut s'assurer que quand la pellicule va sortir, Ah oui. c'est conforme à ce qu'on a fait Ça, sur moniteur. c'était quelque chose que je regrette pas avec les films. Ouais, bah oui. C'est, on parle des films versus digital, puis on parle là, moi, qu'est-ce que ça me manque, c'est les films comme source de tournage, mais pas ton film qui est transféré sur le print. Ça, c'était un petit peu comme un cauchemar. Parfois, Ben ça oui, c'est dépend ça. de une. C'était quelque chose qui était pas facile de répliquer identiquement qu'est-ce que tu as fait en digital comme DI, puis répliquer sur la pellicule. Ben oui. C'était un grand défi. Et puis c'est les R&D, Color Management, Color Scientists qui ont réussi d'implémenter une bonne chemin. C'était fait ici, tant que le laboratoire photochimique existait encore chez Technicolor. Pour les projets que j'ai travaillé Ouais, dedans, ouais. oui. Tout était D'accord. fait ici. Ici, on avait le vieux laboratoire dans le Ouais. deuxième étage, je pense. Ouais. Puis notre salle d'IA, deux rues plus loin. Dans la Westmont Square, la place de Mies van der Rohe. C'était une location très prestigieuse. Oui. J'aimerais bien qu'on revienne sur deux films, on va pas trop trop tarder parce qu'on a déjà bien abusé du temps, mais
J'avais un peu quand même envie de revenir sur la première, enfin, le premier opus de, des Trois Petits Cochons, où il y a en fait des choix très clairs en matière à la fois d'éclairage, mais aussi, je pense, du coup, de colorisation. Et il y a notamment des scènes qui, où, où on a des changements à vue. Par exemple, quand un des protagonistes, un des frères, sort de chez lui, et donc il habite dans une petite résidence, tout est éteint, c'est la nuit, etc. Tu les as vus mieux que moi dans les films. Oui, c'est parce que j'ai bien travaillé, j'ai encore bien en mémoire. Et donc, et là, en fait, il s'avance vers une cabine téléphonique où il va appeler sa maîtresse. Et derrière lui, on voit les lumières de la maison de sécurité. Oui, ok. Et toute la rue complètement s'illuminée et la, la cabine téléphonique. Et ça, je me dis. Comment tu as trouvé ça? Et ben, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Oui, on voit pas souvent ce sort de traitement. Oui. Exactement. Donc, oui. C'était pas mon idée, d'accord. Par contre. C'était l'idée de. Je me souviens pas si le directeur photo ou le réalisateur. Mais. Je l'ai trouvé vraiment très intéressante. Et dans quelle mesure ça a été fait au tournage? Dans quelle mesure ça a été vraiment... C'était... Si je me souviens bien, je pense qu'on a fait ici, dans l'étalonnage. Je pense... Mais je ne suis pas sûr. Et il y a d'autres séquences, alors qui sont à mon avis un petit peu plus... Où là, à mon avis, ça a été fait à l'étalonnage. Alors après, je ne me souviens plus exactement en fait, des moments, mais... Je crois que c'est à des moments où, par exemple, il est avec sa maîtresse et tout d'un coup, il reçoit, je crois que c'est le coup de fil de sa femme, etc. Et en fait, dans la même séquence, en fait, on part d'un schéma de couleur en fait, à un autre. Enfin, très clairement, en fait, on bascule à l'intérieur d'une séquence. Et ça, c'est quand même assez rare. Et ça, très clairement, à mon avis, ça s'est fait ici. Oui, c'est fait, c'est vrai. C'est vrai. J'ai des autres exemples. Ouais. C'est un film qui s'appelle Le Déserteur. Oui. Je ne pense pas que tu l'as vu, mais on a utilisé cette technique pendant une panne, caméra panne, qui bouge d'une location à l'autre. Et puis, on a changé aussi le look pendant ces transitions. Mais parce qu'il était une longue panne, on avait le temps de faire une transition très subtile. Quand tu arrêtes, si tu ne fais pas attention, tu ne réalises pas. Et c'est ça que je peux parler aussi d'autres travaux de coloristes qui j'ai beaucoup aimé le travail. Et puis, on voit là, dans certaines finesses, cette sorte que tu peux aller assez loin avec les spectateurs sans sentir qu'est-ce que ça passe. Alors oui, alors je vois bien comment parfois on peut réchauffer quelque chose un petit peu dans une scène ou la refroidir un petit peu. Ça va à la fois avec les questions de raccord et puis les questions des émotions qui sont exprimées dans la scène. Et ce que je trouvais rigolo dans Les Trois Petits Cochons, c'est qu'en fait, ça donnait vraiment le sentiment presque d'une transposition en fait, de ce qu'on appelle le trans-trav, le traveling compensé. Tu vois les effets un petit peu de... Oui. On a un traveling et un zoom et que du coup, on a un fait... Et en fait, j'ai l'impression... Comme en fait, l'arc, en fait, du coup, le passage d'un look à l'autre se fait extrêmement rapidement. On a vraiment cette... C'est le directeur photo qui a fait ça avec son... Oui. Ah ouais, j'ai trouvé que des c'était bons choix. Vraiment, oui. Vraiment très étonnant. Et là, on voit qu'on ne peut pas passer à côté en fait, du travail du coloriste. C'est impossible. C'est, on voit, quand on passe d'un look à l'autre comme ça, on sait bien que ça peut faire. Oui. Ça, on peut parler un petit peu comme des effets spéciaux. Ce sont des films qui ne peuvent pas exister sans effets spéciaux. Ouais. Ou si les effets spéciaux sont mal faits, tu décroches tout de suite des films. Ouais. Les meilleurs exemples sont les films épiques. Un film épique sans bon effet spéciaux, ça aide à rien. Oui. Tu perds le spectateur tout de suite. C'était un film qui s'appelle... est-ce que tu as vu le film Les Vendeurs? Alors, j'en ai vu des morceaux, mais je n'ai pas réussi en fait C'est vraiment un très bon film. Oui. Surtout en bucket list. Ouais. Puis, ils sont aussi des choix, des contenus, comme des directions photo qu'il a fait pour... Pour donner le sentiment. Je ne peux pas mentionner même cette maintenant parce que je ne veux pas que j'ai. Comment ça dit? Spoil your movie. Ah oui, non, c'est parce que tu peux y aller. Non, c'est parce que. C'est, comment la mort
est représenté dans le film, des choses comme. J'aimais beaucoup ce film-là, c'est la raison que je parle, comme était dans le terme cinématographique, donner des émotions très fortes. Oui, effectivement, c'est un film que j'ai pas réussi, moi, alors, depuis la France en tout cas, à trouver. Mais du coup, effectivement, j'en ai vu bah, ce qu'on peut voir, en fait. C'est-à-dire, enfin, moi, ce que j'ai pu voir depuis la France, c'est-à-dire, en fait, la bande-annonce, un extrait, etc. Mais j'ai trouvé vraiment, le peu que j'ai vu, j'ai trouvé, je me suis dit, il faut vraiment que je voie ce film. Oui, c'est un bon C'est, drama, c'est ouais. un bel film. Oui, c'est ça. On suit l'acteur, qu'est-ce que ça passe quand elle reçoit les nouvelles. Puis, on a fait on a joué avec les couleurs, mais aussi, c'est pas les couleurs qui vraiment, c'est la façon qui était tournée. C'est la beauté que les deux marchent ensemble. Tu donnes des émotions très fortes. Et alors j'avais une autre question, là c'est plus pour la question effectivement de comment on fait pour matcher ou différencier les images. Je me suis demandé dans quelle mesure dans Bataille à Seattle, la question effectivement, parce que du coup il y a des images. Des archives? Ouais, voilà. Oui. Et je me suis demandé dans quelle mesure, alors peut-être qu'il y a plusieurs solutions, dans quelle mesure à certains moments l'idée c'était vraiment de les mixer ensemble, dans quelle mesure à d'autres moments ou au contraire, je ne sais pas, il fallait vraiment montrer que ça c'était des archives, etc. Enfin, comment ça s'est posé cette question-là Ouais, avec c'était le un petit film? peu le deux. Parfois, on a réalisé, c'est vraiment, sont assis très loin, qui ont laissé. Pour pas mélanger, c'est quelque chose qui comme est intéressant d'observer, que moi j'ai observé, tu dois être très précis. Moi je dois être très précis dans mon traitement des couleurs, qu'on prend un choix pour pas aller dans une zone qui tu es pas sûr qu'est-ce que ça passe. Si un statement où tu fais une référence, si tu es pas capable de matcher très très bien, peut-être c'est bien de laisser tomber puis avoir une différence grande pour mettre ton point. Si tu es quelqu'un dans la moitié des directions, c'est confusant pour les spectateurs. C'est similaire on a cette feeling dans les VFX. On a fait les films qui sont entre animation et réalité. Vals with Bashir, je peux mentionner ça. Et puis, il y a une très bonne interview à la fin de cette DVD, comment on l'a approché. Puis, tu gardes ce film, puis tu sais exactement, ok, mais ce n'est pas la réalité, mais ce n'est pas bande dessinée non plus. C'est très puissant comme feeling aller dans cette direction. Maintenant, pour ton question, Battle Seattle. Je pense que c'était un mélange des deux. Je ne me souviens pas en particulier, mais on essaie de rencontrer l'histoire. Puis, s'il y a une plante qui vraiment donne le milieu des séquences qui ne matchent pas, ça c'est un problème. Alors, on a essayé vraiment très très précis d'étalonner. Mais par contre, s'il y a une référence d'une certaine. Événement qui s'est passé pour cette part, on peut laisser assez comme donner la véridicité, La la véracité, ouais. véracité des événements. Ouais. Puis dire, OK, ça c'est vraiment s'est passé. Ils sont des décisions très importantes quand tu travailles avec des médias mélangés. C'est ça qui c'est important que. On analyse très bien c'est quoi les résultats, qu'est-ce que ça donne ton façon de travailler. Et pour Battle in Seattle, Barry Aykroyd n'était pas présent pour l'étalonnage. On a parlé à téléphone, il m'a donné son indication comme direction. Puis c'est seulement je pense que c'est Stuart Townsend, le réalisateur, l'acteur aussi, qui est passé tout le temps avec moi. On a étalonné ensemble. D'accord, donc il y avait quand même un interlocuteur en fait. Oui, 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 Ouais. oui, oui. Ah oui. D'accord. Et je regarde si j'ai encore des choses. Donc la fontaine, non, il n'y a
une. Des choses sur lesquelles je voulais vraiment, vraiment absolument revenir. Ouais, un film aussi, un film un petit peu de genre, où effectivement, où c'est aussi une symphonie de couleurs, très presque, alors il y a un côté presque claustrophobe, c'est Cadavre. Ah oui, tu l'as vu ? Oui, oui. Et là, effectivement, là du coup, en fait, on a une exploration, il y a des plans, c'est presque une lumière d'aquarium, et d'aquarium vraiment... Oh, c'était... Oui. Et puis il y a la violence de certaines couleurs, etc. Mm-hmm. Est-ce que tu te souviens un petit peu de... Très bien. Ouais. Ça, c'était un film très looky, on peut appeler ça, oui. C'était que les collections couleurs étaient... Puis Eric Canoël, c'est un réalisateur qui aime beaucoup jouer avec les couleurs pour faire des statements avec... Oui, je me souviens très bien de ce film. Est-ce que là, justement, par exemple, l'indication cross-processing au départ... Oui, c'est oui, oui, c'est comme la direction, tu as raison, ouais. Oui. Ouais. Oui. Et après, chercher évidemment... Oui, c'est ça qui... Et puis, des... ce sont aussi des effets spéciaux qui sont faits. Ils ont ajouté plus de grains sur certaines transitions dans les films. Le film, aussi la façon que le film est monté, c'est très intéressant. C'est un petit peu à la Coen Brothers, qui je peux d'histoire. Oui, ce côté un peu absurde. Absurde, c'est... comédie, oui. Drama. Oui. Mais c'est un film c'est son empreinte. Oui. Après des réalisateurs, puis si tu regardes tous les films d'Eric Canoël, puis là on a vraiment une empreinte esthétique qui c'est son choix. C'est lui qui décide vraiment de la direction de. Ouais. Mais oui, des couleurs très, très, très fortes, oui, un petit peu off. Ça, c'est fait, encore une fois, c'est fait beaucoup, c'était fait en éclairage. Cette sorte de weirdness in the place, quelque chose qui était inconfortable, puis à réaliser de sortir le verre comme un élément, pas un verre plaisant, un verre qui était qui donne saleté, un verre salé dans l'image. Alors c'est pas le même verre, mais c'est un verre qui met aussi très mal à l'aise dans Saint-Martyr des Damnés. Où il y a cette salle de bain verte. Ah oui, oui, oui. Il y a le bar, là, le bar du perroquet avec les petites touches rouges, etc. Mais il y a des moments comme ça où on glisse vers le vert. Où c'est... Mm-hmm. Voilà. Mais c'est intéressant pour moi de savoir comment tu as interprété les couleurs. On pense jamais qu'est-ce que les spectateurs. On prend des décisions. Mais si tu fais un décortiquage, dans qu'est-ce qui a été fait pour décortiquer tous les layers, c'est difficile parfois. Plusieurs fois, ce sont des décisions instinctives. Plusieurs fois, ce sont des décisions qu'on a fait à cause que c'était le matériel qui était tourné. On a joué avec qu'est-ce qu'on avait. Puis, enhance, comment ça dit en renforcer certaines couleurs, certains éléments. Mais parfois, qu'est-ce que tu décris comme élément, on n'a pas réalisé. Moi, je pense pas que j'ai réalisé ça pendant la correction couleur. Oui, oui. Alors, j'aurais aimé aussi qu'on aborde un petit peu Incendie. Mm-hmm. Qui est un film très dur, mm-hmm. pas du tout dans le même genre de film, où là on a aussi des choix, mais qui vont plus effectivement vers de la désaturation, vers quelque chose aussi presque de sableux. Ah oui, oui, oui.
Mais pour ce film, ce n'était pas moi qui ai talonné les films D'accord. d'AI, c'était mon collègue, Charlotte, qui Ouais. a fait la correction couleur. Mon parti pour l'incendie, c'était je suis la personne qui a fait les corrections couleur pour Videomaster pour HD. D'accord, ok, Alors on était d'accord. tous les trois dans D'accord. la salle, moi, Charlotte et Denis, D'accord. et on a fait l'étalonnage pour répliquer qu'est-ce que ça passait. C'était une conjoncture. On D'accord. était, puis mon apport pour l'incendie, c'est pas si je ne peux pas prendre les. Ouais. C'était magnifique, Ouais. bien étalonné, un très très beau résultat. Puis aussi kudos, c'est André Turpin qui a, je pense que c'est Un grand bon éclairage. réalisateur. Mais oui, comme description, la sable, l'ensemble, le désert, pas des contrastes très forts dans l'image, un petit peu délavé, mais quand même rester esthétique. Ce qui Oui. renforce, assez paradoxalement, mais ça renforce, je trouve, la violence de ce Oui, qui est dit, quoi. exactement. C'est un C'est... exemple que tu as demandé Ouais. avant, qui on peut souligner. Un traitement des couleurs qui a, en effet, tu peux pas associer tout de Ouais, suite c'est... avec une histoire assez dramatique. Oui. Et est-ce que tu aurais envie, du coup, pour finir, de parler d'un film dont on n'a pas parlé, où tu as l'impression, effectivement, où tu t'es particulièrement amusé à faire les couleurs, à jouer avec Presque tous sont très particuliers. Tout le temps, qu'est-ce que c'est intéressant, j'ai oublié qu'est-ce que j'ai fait pendant la correction couleur, mais je me souviens très bien quel feeling, quel sentiment j'ai pendant la correction couleur. Je me souviens comme mon cerveau travaille. Je rencontre les directeurs photo, les réalisateurs, puis on a des bonnes mémoires, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on a fait, mais ça veut dire que tous les processus étaient très, 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 pas plus qu'amicables, fun à travailler. Puis parfois, ça allait un petit peu plus rocky à cause de plusieurs motifs, mais ça veut dire pas que les résultats sont pas bons. Alors, vraiment, on est assis, oh, je suis assis vraiment. Dans le processus, qui j'ai la difficulté de me sortir de cette. Des films qui vraiment sont. Plusieurs fois, je fais des travaux qui on voit pas, et ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et aussi parfois c'est l'opposite, et vraiment tout est déjà fait dans la caméra. On a juste poli la surface, puis le rendu était beau déjà depuis le départ. Parfois, on fait le polissage pour avoir une continuité entre l'image. Des films que j'aimais beaucoup parler. Ouf. J'ai travaillé sur un film qui n'est pas sorti sur l'écran. Je ne pense pas qu'il a des distributeurs. Il s'appelle Devil's Gate. On a fait de la collection couleur au début des années. Puis j'espère qu'elle va sortir dans le théâtre un jour. Mais en termes de traitement de collection couleur, c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant. Le réalisateur, c'est lui qui a dessiné presque par plan, comme vraiment très minutieux. On a fait cette réplica sur le grand écran. On a réussi. Je suis très fier de qu'est-ce que ça a donné. Alors, keyframes qu'il a donné très précis, puis chaque film était différent. Puis Alors, si j'ai une autre question, c'est un petit peu en lien en fait avec. D'abord, effectivement, nous en France, on parle autant en fait d'étalonneurs numériques que de coloristes, voire même davantage d'étalonneurs numériques que de coloristes. Est-ce que du coup, je me demandais en fait si. Et tout à l'heure, en fait, tu as parlé de color timer.
Est-ce que le terme, selon toi, en fait, le terme de coloriste, c'est quelque chose qui s'est imposé avec l'apparition de l'étalonnage numérique? Est-ce que c'était déjà un terme qu'on utilisait en étalonnage vidéo? Dans quelle mesure c'est lié aussi à une nouvelle reconnaissance en fait de ce que peut apporter le coloriste, qui peut faire quand même plus de choses avec le numérique qu'avec l'étalonnage photochimique? Pour toi, l'histoire du terme coloriste et étalonneur? Ouais. Coloriste, il existait depuis la première télécine était installée. On a déjà l'année des coloristes. Ça vient avec les médiums digitales. Ouais. Puis étalonneur, c'est vraiment très bien collé avec les processus argentiques. D'accord. Mais la différence, comme en termes de travail, c'est on a beaucoup de choses ensemble. Et ça, c'est-à-dire des acuités visuelles, vraiment précision et puis le côté artistique. Mais aussi, en termes de travail, il y a une grande différence. Un étalonneur, qui maintenant sont presque comme dinosaures, sont disparus, qui sont beaucoup d'étalonneurs très bons coloristes qui viennent de background comme étalonneur, qui sont rendus coloristes, utilisés des DI processus. Pas la même chose, hein, c'est pas l'inverse. Mais la grande différence, d'après moi, c'est qu'un étalonneur passe à pas si beaucoup de temps comme le coloriste. On est comme coloriste presque 100% avec les clients. Chaque décision on prend après, ça veut dire pas que on n'a pas la liberté, mais c'est un processus très, je peux pas utiliser le mot stress, mais c'est haute tension. C'est une autre façon de travailler. Un étalonneur, il prend le film, s'assure que la lumière est en contrôle, puis il travaille tout seul. À la fin, le directeur photo vient, fait son approbation, donne une indication, donne le look avec les mesures. Mais deux façons différentes de travailler. La présence des créatifs avec toi, ça joue un rôle très important. C'est deux mondes différents aussi, en façon de travailler. Mais oui, étalonneur, ça dépend, je pense, que des pays. J'ai travaillé sur une série qui s'appelle Jonathan Strange and Mr. Norrell de BBC. Puis comme nom, ils m'ont donné grader, color grader. J'ai demandé, d'après moi, je suis coloriste. Pourquoi color grader? Puis il dit, bon, ça c'est quelque chose qui c'est particulier pour BBC en spécial. Color grader, coloriste, d'étalonneur. Ouais. On a encore des fois qui les personnes qui sont déjà en industrie depuis longtemps, aussi à la première de Tropical, on me dit, ok, c'est notre étalonneur. Ça c'est un compliment pour moi parce que ces étalonneurs sont. Il connaît, c'était pas facile d'être un étalonneur. C'était plus, pas nécessairement un travail analogue, mais la connaissance, c'était plus organique, intime. De faire des miracles avec pas aussi de beaux outils. On a plenty of choses qui ont pris beaucoup de ajustements à faire pour faire ton image. Avec le passage donc au numérique, malgré tout, quand même, le coloriste il peut quand même vraiment influer et travailler quand même sur beaucoup, beaucoup plus de paramètres qu'en étalonnage photochimique. Ce qui, du coup, effectivement, explique. Alors, nous, en France, on a une tendance qui est le passage au freelance, au pigiste, comme on dit ici, je crois. Et puis, effectivement, de plus en plus, enfin, en tout cas, même si les cas sont isolés, mais enfin, on en a quand même un cas ici. On a en fait la remontée du étalonneur numérique ou coloriste en fait à l'intérieur du générique, voire au générique de début. C'était le cas pour Yvan Lucas, ça a été le cas aussi deux ou trois fois pour Isabelle Julien, etc. C'était le cas pour toi, pour Saint-Martin des Damnés. Quel est ton sentiment en fait par rapport à ça? D'abord, par rapport à la question du passage, rester à l'intérieur d'une entreprise, passer pigiste, est-ce qu'on voit un peu les mêmes tendances ici au Québec,
Et par rapport en fait à la place dans le générique, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'interroges? Mais je me posais la question très souvent, pourquoi? C'est quoi la raison? Est-ce que c'est... La raison de la place à l'intérieur du générique? La place à l'intérieur du générique. Mmh. C'est très intéressant parce que c'est les clients qui disent « tu es un artiste ». C'est pas toi qui te nomme, moi je suis un coloriste, je suis un artiste, non. Je pense que j'ai quelque chose à dire dans le terme de création. C'est flattant que quelqu'un t'appelle un artiste. Mais je suis plus un coloriste, pour moi c'est plus un artisan qu'un artiste. Un artisan c'est quelqu'un qui est vraiment très bon avec les outils techniques et avec un esprit de création. Mais si tu acceptes que un coloriste est un artisan, si tu acceptes que son travail est important, pourquoi tu as la difficulté de le montrer sur l'écran? Et ça, pour cette question, je n'ai jamais trouvé la réponse et j'ai arrêté de demander cette question. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est lié justement peut-être à l'image qu'on avait de l'étalonnage et qu'on n'a pas encore vraiment... Ah, c'est comme quelque chose qui a été comme inherited avec le ouais. Color Timer? Ouais. Ah, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Parce que c'est un processus créatif. Mm-hmm. Et c'est rien à voir avec qui est devant toi, après toi. C'est juste une façon de dire, OK, mais toi aussi... avait un grand apport pour le film qui est sorti. Si le coloriste prend la même place que l'étalonneur avant, ça c'est la seule explication que je peux avoir. Mais toute l'autre explication, je ne les comprends pas. Mm-hmm. D'après toi, c'est quoi ton opinion? Ah oui, je pense que c'est un héritage qui persiste, mais que les choses sont en train de changer et qu'elles vont changer. Mais pas ici, on n'a pas vu. Je suis content qu'en France ça arrive. Tu as quand même été. Tu as quand même au moins un film dans ta carrière auquel tu es indiqué au générique de début, ce qui était peut-être inimaginable pour quelqu'un qui travaille dans un laboratoire dans les années 70, par exemple. Mm-hmm. Oui. Je ne connais pas de cas. Oui, mais encore une fois, c'est dans l'industrie, on sait qui fait quoi, qui est le coloriste qui te peut donner le meilleur résultat, mais le résultat qui tu t'attends. Par contre, tout ce qui est dehors de l'industrie, si tu parles avec un étranger d'industrie, il ne sait pas encore qu'est-ce que c'est un coloriste. On commence à dire que c'est change les couleurs des cheveux ou c'est quoi exactement, puis c'est tout le temps la difficulté d'expliquer qu'est-ce que je fais pour vivre. Comment ça fait des associations, tu connais Photoshop, oui, et je fais la même chose pour 24 fois par seconde, pour une image. Ah ok, puis colorer ça va dire que tu changes le film noir et blanc dans couleur. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Ok, c'est très intéressant. Puis tout le monde trouve très intéressant. C'est intéressant, cette partie est couverte. Mais alors, la nécessité de. On sait dans l'industrie c'est quoi le rôle des coloristes. Tout le monde sait ça. Alors, c'est juste une scène de reconnaissance. C'est tout. Puis. Et si, par exemple, tu remontais dans le générique, est-ce que tu te verrais, parce que certains étalonneurs, par exemple, me disaient, moi, je trouverais ça normal d'être attaché à l'équipe image. Par exemple, après le cadreur, mm-hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu as réfléchi aussi ou... Oui, c'est ça que je ne pensais pas à ton explication que tu remplaces un étalonneur. Pour moi, l'explication était, tu fais partie d'une équipe, tu restes avec ton équipe. Oui. Et ça, exact. Je pense que si tu poses cette question à l'industrie, tu poses cette question à la union des artistes, ou je ne sais pas qui est en charge de ça, c'est la plus facile réponse. Tu fais partie de cette équipe, c'est ça ton place.
Et puis, peut-être que c'est une bonne explication parce que on n'est pas pigiste, mais ça, c'est quelque chose qui on peut discuter. Si tu fais part d'une entreprise, oui, je comprends, mais ils sont beaucoup des coloristes qui sont de pigistes et ils ont la même place. Alors, c'est où l'explication? Ah, ok, l'explication est que tu fais partie des post-productions. Ok, post-production, ça vient après que catering. C'est quoi l'importance des catering sans diminuer l'importance pour la qualité d'un film? Je pense que un coloriste donne plus sur les films que les catering. Mais. Et par rapport à la question de justement freelance ou faire partie d'une entreprise, est-ce que toi tu as déjà imaginé? Comme freelance, j'étais en position de freelance pour toutes 2 années. Oui. Je dis trop très chanceux de trouver du travail, c'est pas une question facile. La seule chose, la seule avantage que je vois comme pigiste, c'est que tu peux bouger avec certaines productions qui ne viennent pas chez toi si tu es sur une entreprise. Mais ça, c'est la seule. Alors, c'est cette sorte de liberté. Mais par contre, c'est vraiment quand tu travailles pour une entreprise comme Technicolor, ça te donne beaucoup de support en termes aussi de technologie. La technologie que tu n'as pas accès si tu es pigiste. Maintenant, depuis des années, l'Internet puis les publications sont toutes accessibles, plus ou moins. Mais le training que tu as avec dans une entreprise solide, sont vraiment très importantes pour ton. Encore une fois, un coloriste n'est pas seulement une personne qui a des qualités d'artiste, il doit être un bon un technicien. Puis, pour être un bon technicien, tu dois t'assurer que tout l'équipement est bien calibré. Et ça, ce n'est pas le coloriste qui le fait, c'est un ingénieur qui est responsable. Puis, c'est assez important de faire de donner du bon travail. Alors, je pense que ça répond un petit peu à la question. Oui, oui, comment tu vois les choses? Oui, l'idéal est que tu travailles pour une entreprise et tu as beaucoup de films intéressants à travailler. Oui. Ça, c'est le meilleur scénario. Et est-ce que vous échangez, parce qu'il y a un autre étalonneur qui fait partie de Technicolor, est-ce que vous échangez des choses, etc., par rapport à des questions sharing techniques? Ouais. Oui, oui, ouais. Oui. Ça arrive souvent. On trouve notre collègue, on échange des idées. Je pense que plusieurs fois, on est quand même un petit peu individualiste aussi comme coloriste. C'est un métier très compétitif. Puis c'est aussi un métier que tu es assez bon comme ton dernier travail, puis personne ne te donne la deuxième chance. Si ton session ne marche pas bien, puis les chances que tu vas travailler avec la même, avec le créatif sont très minuscules. Ouais. Puis c'est ça qui fait ce métier aussi un métier qui peut-être peut être épuisant et puis prendre beaucoup d'énergie, à part que les parties les plus intéressantes de la créativité. Mais est-ce qu'il y a aussi un côté un peu une culture un peu du secret des recettes un petit peu mais oui pas des secrets je dis des approches ça c'est sûr et puis chacune crée son own approche pour commencer le travail puis en termes de look recette, c'est vraiment peut-être 5 ans, 10 ans avant, oui, mais maintenant c'est presque partout, c'est déjà publié. Tu peux faire ton collection couleur dans le garage avec une plugin qui. Mais là, qu'est-ce que ça fait que tu es unique? Je pense que c'est ton possibilité de donner quelque chose qui
fit le film. C'est ça ton. Tu es unique par ça, je pense. Pas avec quelle sorte de recettes tu utilises pour arriver à. Je ne dis pas que ce n'est pas important de l'avoir. Ouais. Tu dois avoir beaucoup d'outils et connaître toutes sortes de petits secrets. Oui, il existe. Ouais. Sans dupe, il existe. Et ce n'est pas la même chose si tu travailles 2 films par année ou tu travailles pour 10 films par année. Parce que si tu prends un break, une pause trop longue, mais c'est commencé à rouiller. Oui. C'est pratique tout le temps. C'est quelque chose qui. Je fais une. Comme une. Je suis habitué. De rester au courant, qu'est-ce que ça passe avec chaque technologie, aussi qu'est-ce que ça vient. Et ça, tu as besoin pour rester, sinon tu perds le train. Ça, c'est une. Ça, c'est les parties techniques. Et puis, pour les parties créatives, garder beaucoup de films, trouver c'est quoi les tendances. Ça vient aussi. Avec ton day-to-day, tu ne peux pas rester, je ne veux pas. C'est un marché compétitif, oui, c'est vrai, mais ça vient complètement pour moi, naturellement. Ah oui, tu te nourris. Je ne sens pas que je travaille. Ouais. Aussi que j'ai à Amazon, je suis très piqué avec quel film j'ai choisi. Plusieurs fois, je garde un film. À cause que c'est ce directeur photo qui a tourné, parce que je vois, j'aimerais regarder comment était interprétée son vision, mais ça ne dit rien encore une fois, parce que ce sont plusieurs choses qui peuvent sortir pas exactement bien qu'il évolue, puis je prends un petit peu avec une salle et un peu de distance des jugements, mais quand même, ah ok, j'aime cette direction, ou j'aime pas. Au moins, je sais on est où dans cette 2010, juin, pour faire des références. Ouais. Donc, tu vas beaucoup au cinéma. Oh, oui. c'est sans doute. J'ai appris d'être un petit peu plus sélectif avec mon choix. Puis. Et plus une sélection, du coup. Avec la porte d'entrée directeur photo. Enfin, c'est un critère de choix. Oui, mais on choisit les directeurs photo pour notre sont les personnes qui sont trop proches. Puis on a des on voit comme la capacité, la possibilité d'attaquer toutes sortes de genres ou reste dans le même genre. Et tout ça fait partie de ton façon que comment tu juges, pas de jugement, mais comment tu vois certains traitements. Comme je dis, j'ai pas appris, je n'ai pas étudié cinéma. Je le fais comme avec mon solution, c'est pas, ça ne veut dire pas que ça va marcher pour notre personne, mais pour moi, c'est la façon que je le fais intuitif, sans effort. Ouais. Et autant le cinéma que la photographie fixe, que la peinture. Ah oui, sont vraiment très proches. Ouais. Oui, pour. Est-ce qu'il y a des peintres que tu apprécies ou des photographes que tu apprécies particulièrement Oh, oui, j'ai beaucoup de. Est-ce qu'il y a des peintres coloristes, enfin des vrais des maîtres de la couleur dont tu apprécies particulièrement? Oui, l'école hollandaise, les Dutch. D'accord. Ça, c'est, je le trouve le plus esthétique. Tu prends des palettes de couleurs de hollandais, tu peux utiliser pour un commercial aujourd'hui, ça va être très très bon. Esthétique. Ouais. J'aime beaucoup l'ancienne Égypte comme design, comme simplicité. Comment choisir les couleurs?
Les photographes ont beaucoup. Photographes noir et blanc, photographes couleur. Les oh, deux, les deux, les ouais. deux aussi, oui, oui. Ouais. Beaucoup de photographes. Bah, oui. Je ne vais pas nommer, mais ça, je name dropping. Je me souviens maintenant, je parlais de Todd Idol comme photographe, comme référence, puis Joel Meyerowitz, puis. Di Corcia. Mais. C'est bien de les connaître. J'appréciais dans certaines situations. C'est aussi, j'achète des livres de photographie sans vraiment avoir une connexion avec cette photographe-là, mais ça fait partie de mon culture générale qui est nécessaire dans ton interaction avec les clients pour chaque jour. Bah oui, si quelqu'un arrive et te parle de Man Ray, il faut que tu saches qui est Man Ray, ce qu'il a fait. Tu dois savoir, mais sinon, tu dois être honnête et dire, ok, écoute, donne-moi deux heures. Puis je vais poser des questions et après 2 heures, je vais savoir plus que toi, parce que je suis assis, fébrile, ouais. chercher, minutieux. J'ai cette tendance d'aller un petit peu excessif dans cette partie, mais c'est important. Ouais. Ça marche pour moi. Ouais. Bon, bah, on va peut-être s'arrêter. C'était long, hein. Merci beaucoup.